Et bonsoir à tous. Et bonsoir à tous. Ou rebonsoir si jamais vous étiez déjà là. Salut Karine, comment vas-tu? Salut Pascal. Salut voilà. Marc Cleaner. Salut l'église, c'est toujours là. On reprend donc notre partie Elden Ring. C'était avec la petite coupure intro. Au montage, c'est normal. Ouais, j'avais oublié de lancer le record. Ah, t'as vraiment tout relancé quoi. En mode, la vidéo doit être propre. Excellent. Alors, donc, il faut que je reprenne un petit peu où j'étais. Je suis en pleine exploration, donc c'est un live Elden Ring qu'on va faire. Très 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 cool. Prends pas de gros boss. J'en étais où moi? Enfin, vous voyez, la map... Voilà, en 50 heures, je crois que j'ai fait la moitié de la map. Ouais, j'ai pas encore vu cette partie-ci, là. Et j'étais en mode... ici, moi. C'est quand même assez immense. Ouais. Et genre, dans la mer, y a rien. Tu peux pas aller... T'as pas genre des îles où tu peux aller... J'en sais rien. Pour le moment, non. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a rien, actuellement, mais... Je n'en ai aucune idée. Donc si ça tombe... Ça tombe peut-être. Et donc peut-être. Oui, il y a un mode jour-nuit. Ça change, t'as du jour, t'as de la nuit. Mais je veux dire, ça change quelque chose dans le gameplay, ouais. Dans les mobs. T'as des mobs qui ne sont là que la nuit, d'autres que le jour. Ah. Donc en effet, ça change. Ah. Le petit cadran qui montre la nuit et le jour est c'est joli, fantastique. Hein. C'est celle-là à droite. Vraiment très très beau. On n'est pas devant. Hein. Non, on n'est pas devant. Nous, je crois qu'on est à gauche, nous. Impeccable. On va être devant quoi d'ailleurs pendant le jeu? On est devant mes items, donc on s'en fiche un peu. Vous pourrez plus voir si Concret n'a plus de potions, je vous le dirai. Ne vous inquiétez pas. Comment ça où est-ce que j'étais, moi? Donc on était là. Et on va repartir sur l'exploration. Ouais, t'as quand même pas mal de petites grâces évanouies, c'est ça? J'ai retenu. Les sites de grâce, ouais. Les sites de grâce, tout à fait. J'ai retenu. Donc moi, c'est un jeu que je conseille. Vraiment. Même pour ceux qui ne sont pas habitués au From Software ou aux autres jeux dans le genre. Faut quand même adhérer au style. Hein. Il est beaucoup plus facile que les anciens. Bisous à vous tous, gratouille à Mewen. Hey, bisous Karine. Tiens là, c'est ce que je meurs là. T'as vu ça? Le petit saut. Moi j'aime bien ton cheval poney vache torrent. Il est bien. Hein. Ouais, je trouve ça cool. Où est-ce que j'ai dit que je vais aller? Tiens, on va aller là. J'ai un petit point. Cire. Ouais, c'est Cire la grille, lui. Cire la grille, pour vous servir. Ah, tu l'as rappelé, Cire la grille. Non, c'est la grille. Pourquoi tu l'as... Parce que c'est, ça reste Cire la grille, quand même. Cire la grille. De respect. Bon. Ouais, je sais pas, lui il me montre là, l'arbre. Le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt, c'est ça? Je sais pas ce que je dois faire, je dois peut-être faire un truc ici, mais j'adore rien. La tête! Il voit quelque chose? Je peux le tuer par contre. Voir son visage? C'est marrant. On va pas le tuer tout de suite. Excellent. Quand même. Hein. Ça tombe, il est bien. J'aimerais bien aller. Ah, mais je dois aller en dessous en fait. J'y étais. Et salut Edeloise, comment tu vas? Hello! Oh, les gamers! Mais ouais, elle se mouille pas beaucoup là-dessus. Non, moi je suis en mode touriste. Vous savez quoi, on va essayer de faire là? J'ai pas de. J'ai pas beaucoup de runes. Donc on va se faire Ouais? Ouais. Un petit convoi, c'est ça? Attention! Ouais, enfin, il y a un petit convoi. Hop! Bah nous ça va très bien. Il y a un petit item à aller chercher là-bas. Oh! Oh là là! Ouais, je l'avais vu hein. Avec sa torche là. Lui aussi je l'avais vu avec sa torche. Ouais, tu t'es vu, oh. On va bien, là on a fait une petite démo de Kirby. Hey, t'as ramassé? Ouais, j'ai eu le casque. Plus que je fasse attention au gros moi. Ah ouais, c'est comme ceux qu'il y a sur la falaise là. La falaise? C'est sûr qu'il est violent. Un crapaud, grenouille. Il va être violent, ouais. Ah là, c'est un homme citrouille. Un homme citrouille. Qu'est-ce qu'on fait là? Allo, win?
C'était naze. Lol. Je vous laisse continuer la blague. Eh bien. Oh la violence. Oh. Oh bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là. Ah non, j'ai pas vu venir. Alors on l'a dit, on est mauvais. Hein. Comment ça, on est mauvais? Ouais. Moi je t'encourage et tout quoi. Moi je fais rien. Moi je suis en mode. Ouais. Ça va là. Attends, on va d'abord faire lui là. Oh, il a une belle épée par contre. Ah oui, ah. Bah elle est par terre, il va me la laisser ou pas? Bah elle était spectrale juste un instant. Attends, parce qu'il y a le convoi qui s'en va là. Ah ouais, ouais, il se fait la mal. Ouais. Pas cool quoi. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ils s'en vont, quoi, ah et oui, moi. Bah oui, bah vas-y, j'ai un sort. Ah non, t'en as pas. J'ai pas de sort, moi je joue pas magie. C'est bien la magie. Ouais, la magie est vraiment très très forte dans ce jeu. Vraiment, vraiment, vraiment. Avec ton bouclier méduse. Si vous vous demandez, oui, c'est un bouclier méduse, tout à fait. Allez, hein. Mais utilise son bouclier aussi, là, regarde ça. Qu'est-ce que j'utilise mon bouclier, moi? C'est pour bloquer. Mais il s'arrêtera pas, hein, va falloir faire quelque chose. Ouais, c'est allez, parce que. Ah là, oui, j'ai pas bleu. Ah, ils sont deux. Ah, ils sont deux. Bah oui, oh là. Ouais, mais c'est parce que. Le convoi, il se fait la main. Je suis pas lock sur le bon là. Ah. Ah, c'est pas grave, j'ai plein de potions. Ils ont pas beaucoup de vie. Ils ont même très peu de vie, eux. Faut que tu bypasses leur bouclier, c'est ça? Ouais, mais ils sont. Tu vois, quand il va me taper là. Ah ouais, en mode greed. Ouais, toujours au greed. Qu'est-ce que tu feras? Oh, ma pauvre. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire, elle? Elle essaie de descendre, mais elle a un peu de mal. Et il se barre, mon convoi. Hein. Il se barre, là. Hein. Ah mais bah, après, il va aller... Ils vont évidemment pas t'attendre. Donc vous avez un petit monde ouvert dans un monde un peu... héroïque, fantasy. Un peu. Carrément. Enfin, carrément héroïque, fantasy, glauque. Mais la DA est vraiment superbe. Voilà. Alors, je ne comprends pas les arbres qui dansent, toujours pas, mais la DA est superbe. Techniquement parlant, il est un peu à la ramasse par rapport à certains jeux de 2022 et autres, mais il se rattrape à fond sur sa DA. Et donc, ça en fait un beau jeu dans l'absolu. Il ne faut pas non plus dire que, voilà, graphiquement parlant, techniquement parlant plutôt, c'est vrai qu'il est un peu en retard. Ah, il avancera moins vite. Ah, du coup, il avance plus. Là, ah, non, là, il avance plus. Hein. Ah, genre, il a même pas envie de tirer. Ah, j'avais pas vu, lui. Eh, mais les pauvres, ils ont un truc planté dans le dos pour tirer, mais... Ah bah oui, t'as pas vu ça, ils ont des chaînes, hein, mais... Ah, mais d'accord, mais t'as vu comment c'est planté dans leur dos. Mais ils ont le chariot, quoi, dans le dos. Ah, ça existe des colliers ou des harnais. Pourquoi il faut forcément leur planter dans l'omoplate le truc? Ça tient mieux avec l'os? Peut-être, hein. Et va savoir qu'est-ce que c'est, ce truc-là. C'est horrible. Ça tombe, c'est tout mou partout, sauf dans l'omoplate. Tunique de l'arbre monte, ça peut être joli ça. Bon, ils font pas très mal hein, par contre. Bon, je suis censé esquiver ça, mais bon. Plus gros que dur. Ouais. Voilà. Ah ouais, ça les transperce. Ah. Ah, mais on n'avait pas vu ça. Et donc maintenant que le convoi est terminé, ce que je peux faire, c'est aller loot. Ah, mais ils sont combien là? Sérieusement? Parce que c'est plus classe, Stone en met. Bah oui. C'est pas grave. Stou. Oh. Oh. Stou. Oh. Bah oui, c'est plus classe, évidemment. Mais j'aime bien analyser un petit peu ce qui se passe dans les têtes. Vas-y, lâche ton bouclier. Dans les têtes des graphiques. Meurs, hérétique. From Software. Mais j'aime beaucoup vraiment le style, quoi. C'est excellent. Voilà. Et donc là, maintenant que le convoi est libéré, je peux prendre l'objet qui est un gourdin. Avec des pics. Un gourdin black metal. Alors on a plein d'armes dans le jeu, hein. Vraiment plein d'armes. Encore, j'ai la moitié dans mon coffre. Tu transportes tout là? Ouais. Comment tu fais? On a un inventaire un peu infini, c'est peut-être un peu dommage. Ah ouais, j'avoue. Surtout qu'on a un coffre, je crois qu'ils auraient pu mettre... C'est quoi ça? Ah, il a l'air beau le bouclier, là, à côté, le deuxième. Ouais. Ah non, il est affreux. Ouais, regarde. Ah, il est vraiment affreux. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Ah ouais. Oh, c'est con. Non, par contre, j'en ai un qui est bien. Une carapace de tortue. Tortue géniale. Ah. Il est trop bien. Il y a trop moyen de faire un cosplay de tortue géniale avec une barbe blanche et tout.
Ah merde, il est trop cool. Il est super beau, on dirait une tortue ninja. Ah ouais. C'est ça quoi. Tortue ninja. Attends, je suis pas trop lourd moi avec ça. Non, charge moyenne, ça va. C'est le gourdin qu'on cherchait, hein. Où est-ce qu'il est le gourdin? Là. Bah il est là. Oh, oh. Il est énorme. Oh la vache. Oh mon dieu. Boum. Oh ce truc. C'est pas mal hein. Ça a l'air lourd. Les armes sont classe. Cette tête que t'as mec, c'est un truc de dingue, c'est horrible. Il est beau hein. Non, je vais garder mes armes. J'aime bien mes armes. J'aime bien mon bouclier méduse. Mais oui, il est super. Il est superbe. Puis il donne un petit buff. Trop beau. Et... Ah ouais. Ah ouais, genre il te pleut dessus. Enfin, ouh, il te... Ouais, c'est autre ça. Chose. Ouais, tout à fait. On va dire que c'est de la pluie. On va dire que c'est de la pluie, ouais. Bon, moi, où est-ce que je veux aller? Ici, il y a probablement quelque chose. On va suivre le chemin. Et à mon avis, on arrivera quelque part. Tiens, ça j'ai déjà eu. Là, il y a des ruines. Ruines. Le monde ouvert était énormément rempli. Très très loin d'être vide comparé à les ce que certains pouvaient penser. Pardon ? Les ruines grouillent ça. Ah. Ah. Il y a des trucs à faire partout. Vraiment vraiment partout. Donc c'est ce que je disais aussi à Mewen, hein. Même ceux qui aiment pas ce type de jeu, qui ne sont pas pour la difficulté ou autre, rien qu'en explorant, en faisant les premières zones, tu peux te faire 25 heures de jeu. Oui. Et donc, t'as pas perdu, tu perdras pas tout ton argent. Si tu prends le jeu, tu même si c'est pas ton truc, tu peux te faire une vingtaine d'heures de jeu juste à explorer un petit monde, découvrir. Ouais, bon, il y en a qui aiment ça, quoi. Oui, non, mais moi j'aime bien d'ailleurs. Mais j'aime bien aussi combattre et y arriver. Et je pense que j'aurais pu persévérer un peu. C'est les premières heures qui sont toujours un peu... Et apprendre à jouer, quoi. Oh, la petite grotte. Genre, tu fais pas les mobs. Non, oui, c'est des sacs à... Ah, c'est un boss. Oh, on veut voir ça. Tu dépenses pas tes runes? Non. Bah écoutez, je pensais pas qu'il y aurait un boss aujourd'hui. Mais on va voir. Il y a un boss. À quoi il ressemble? Ah, c'est un papy. Oh là là, il démarre direct. Bah moi je suis pas prêt là. Hein. Noble sanglant. Je suis déjà mi-vie moi. Ah ouais, c'est direct. Oh la vache. Voilà, il rigole pas. Bon. Oh, il a son double. Bah évidemment. Ah. Oh. Ouais, mais attends, je vais mourir. Hein. Moi je fais le malin, mais là j'ai un saignement, je meurs. Vas-y, la mimique. Oh, il m'a fait une attaque critique sur ma mimique. Oh. Ça c'est pas cool ça par contre. Ah, il te l'a défoncé. Ah non, même pas. Attends, mais il a de la vie ta mimique. Ouais, la mimique c'est OP. Oh la vache. Voilà. Oh. C'était un boss. Ça c'est pour montrer, et je trouve que c'est un très bon exemple, c'est cool d'être tombé là-dessus maintenant. Ça montre à quel point ce jeu, en fait, peut être simplifié, et je le trouve, du coup, moins dur que... Moi j'ai fait Dark Souls 3 avant, largement moins dur que Dark Souls 3. Grâce à toutes les aides qu'on a, notamment les invocations, on n'est pas obligé d'utiliser. Donc ceux qui veulent faire du 1 contre 1 contre les boss, bah, ils peuvent. De musique, là. Elle a la belle d'équipée, par contre. J'ai pas toujours beaucoup de musique. Ouais, enfin, bon. Là, j'ai une petite arme, là. Pour avoir testé, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment le... Garde. Oh, elle est belle. Oh. Oh, vous avez vu ça? Et c'est beau, ça. C'est vraiment le délai, en fait, entre la touche et la réaction. C'est un gameplay très lent. Et tout. Ouais, c'est lent, c'est lourd. Et oh, j'ai du mal avec ça. Mais par contre, c'est beau, moi j'adore en fait. C'est techniquement peut-être un peu daté, mais c'est vraiment joli. Ouais, la DA est jolie. C'est trop beau quoi. C'est comme Dark Souls 3. Oh, Dark Souls 3 est encore très joli même aujourd'hui. Ah ouais. Mais bon, c'est un vieux jeu. Disons que là où on trouve dommage, et c'est vrai, c'est pas forcément les mêmes équipes qui ont travaillé dessus chez From Software, mais le remake de Demon's Souls est plus joli. Ah bon ? Ouais, mais ils ont fait un exclusif PS5. Ah. Ils l'ont vraiment optimisé pour la PS5. Genre, il sortira pas sur PC plus tard. Maybe. Peut-être. Difficile à dire. Oula. Ah, il y a un micro citrouille. Ah, il m'a vu. Ah oui, c'est réveillé. C'est Bucus qui vient troubler mon repos. Oh là, il m'a vu. Alors, je dois faire gaffe, hein, parce que je sais pas trop où je veux aller. Bah, t'avais ton point. Ouais, mais je devais suivre le chemin. Je suis plus le chemin, là. Il y a un truc qui respire derrière toi, je sais pas ce que c'est. Et il faut faire attention parce qu'en fait, si je tombe sur un endroit
Par exemple, où je suis trop haut, bah, je meurs. Ah bah oui. Non, là je retourne de là où j'étais, voilà. Moi je peux retirer mon point. Voilà. J'ai pas fait exprès. Tout est gratuit quoi. J'ai pas fait exprès. Pauvre chèvre. Ah, ah. T'es à ton point là? Non. Non, j'allais par là. Je dois traverser le pont. Est-ce qu'on a confiance en traversant le pont? Bah écoutez. Bah il peut casser? Bah je sais pas moi. Mais Jésus. C'est moi qui ai fait le jeu. Hein. Mont Gelmir. Gelmir ou Gelmir? Le mont Gelmir. Ah moi j'aurais dit Gelmir, tiens. Ouais moi aussi j'aurais dit Gelmir. Mais comme c'est un E, ah non c'est Gelmir. Bah, bon, donc là un site de grâce, donc ça c'est bien. La vraie question, quel est le style de danse de quoi? Ah oui. Ah oui mais attendez, je sais pas si on aura ici. C'est comme ça dans tout le jeu. C'est ça en fait. Tous les arbres ont le même pattern, bougent de la même façon. Même quand t'as pas de vent ni rien. Allez, faut en trouver un. Voilà. Et ils vont de gauche à droite, comme ça, en dansant un petit peu. On voit bien avec celui qui est là-bas au bout. En bas à gauche, ouais. Le petit. Et en fait, bon, ici, visiblement, il y a un peu de vent, donc ça va. Mais vous avez des zones où il n'y a pas de vent. Où vous voyez la pluie ou quoi, où il n'y a pas de vent. Même l'herbe ne bouge pas beaucoup. Ah oui, il est à fond. Il est à fond, il est là. Ouais, j'adore. Et il faut faire un clip ici avec une petite musique techno. À fond, trop bien. Mais ouais, nous fera ça. Mais ouais, nous fera ça très bien. Bon, voilà. Bah, fais-le. Comme les, ça, on... Les arbres qui dansent. Comme ça, on l'aura, quoi. Ah oui. Tu l'as fait? Non, mais... Faut toujours attendre quelques secondes, oui, sinon... Pardon. Voilà. Donc ouais, les arbres dansent... Tout n'importe quoi. Ça m'a fait rire. Déjà au trailer, ça m'a fait rire. Mais alors quand j'en ai vu en vrai, dans la partie de concret, j'étais en mode, mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que là, je dois aller. Est-ce qu'ils ont fumé pour faire ça, quoi? Ah, c'est marrant, ça. J'ai découvert une grotte. Et le pire, c'est qu'ils les ont laissés. Ils ont vu que c'était n'importe quoi et l'ont laissé. Pourquoi j'ai une grotte? Ils se sont dit, oh, c'est cool. Le site de grâce. Là. Oh, non, je me parle à moi-même. Très bien. C'est que là, j'ai découvert une grotte, visiblement. C'est pour ça qu'elle est mise sur ma masse, parce que je l'ai découverte. Mais évidemment, je suis pas rentré dedans, parce qu'à un moment, quand on rentre dans les grottes, on a toujours un site de TP. Donc j'ai dû oublier de rentrer dedans. Je cherchais la map de ce coin-là, mais je crois qu'elle est ici. Tout à fait. Elle est souvent près de ces trucs-ci, les maps. On peut les voir sur la carte assez vite. Et le problème, c'est que j'avais essayé de passer par en bas. Ça marchait pas. Donc du coup, j'essaye maintenant par en haut. C'est là que je suis. Parce que là, ils ont l'air vénères. J'avais commencé ici, là. Ils ont l'air vénères. T'arrives, t'as deux boss. Ils sont vénères partout dans ce jeu. T'en as où c'est plus facile parce que t'as le niveau. Peut-être. Alors, de nouveau, hein, un truc qui est bien si on compare aux autres Souls, c'est ce cheval. Parce qu'en fait, dans les autres. Dans les Dark Souls, quand vous avez des mobs, vous devez courir et faire des roulades pour les éviter, mais les mobs sont aussi rapides que vous. Donc en fait, c'est très chiant parfois à esquiver. Tandis que si vous avez le cheval, en fait, vous êtes plus rapide et vous pouvez vraiment courir dans le monde ouvert, vous balader sans prendre trop de risques. Il a l'air bien, lui. Et il tue des mecs. Ouais, il y a du friendly fire. Les mobs peuvent se buter entre eux. C'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Non, vraiment, le jeu est bien sur plein des aspects. Ben, tu vois, ici, là, il y a un item. Je le prends. Et c'est je me casse. Ah, perdu. Bah évidemment, il m'a vu, lui. Évidemment. Pas folle, la guêpe. Ah, ils sont plusieurs. Mais c'est pas là que je devais aller, moi, en plus. Je m'étais pas mis un point... Ah non, mais il était en train de buter du bois, en fait, simplement. Pas des mobs. Bien. Ouais, mais attends. Oh, regarde ça. Quoi ça? Bah, regarde, tous les coups pendus par les pieds, c'est dégueulasse. Ah, merde. Ah, c'est pas mal. Ah, j'ai pas forcément confiance, là où je vais. Et ah, pourquoi ça a l'air sympa. Non, je peux plus avoir mon cheval. Comment ça? Ça a l'air très sympa ici, ouais, en effet. Ah, je me fais envahir.
Anastasia, la dévoreuse. C'est un PNJ, ça. Ouais, c'est un PNJ, mais... Oh là là. Vas-y, la méduse. Ce qui est bien, c'est qu'elle est en armure légère. Ah ouais. Donc, en gros, elle a zéro... Ouh, ouais, mais elle a zéro... J'allais dire, elle a zéro poise. Elle a un peu du répondant, quand même. Non, mais elle est très lente. Et surtout, je vais... Tu vois, je la stun en boucle. Avec son gros couteau, là. Je la stun pas en boucle, en fait. Ouais. Hein, je fais le malin, là, mais... Dire, ouais, Faut pas qu'elle prenne de potions, et voilà. Ah, parce qu'ils peuvent prendre des potions. Ouais, mais ils ont pas beaucoup. Généralement, une ou deux. Et là, j'ai eu quoi? Le couteau de boucher sacré. Ah bah, écoutez... Très bien. Si jamais on veut faire un petit apéritif. T'as vu. Un petit sauciflard. Ouais, à mon avis, tu peux en couper des gros avec ça. Gros sauciflard. Ouais. Ça ressemble à quoi d'ailleurs son couteau de boucher? Faut que je passe gaffe parce qu'il n'y a pas de pause dans le jeu, donc évidemment, moi si je fais ça, je peux me faire. Ça c'est chaud, ouais. Donc, faut que j'aille un petit peu. Ouais, bah, comme ce qu'elle avait quoi. Ça c'est un couteau de boucher. Ouais, c'est bien. C'est comme les couteaux vikings un peu, mais bon, normalement ils sont comme ça quoi. Et moi je connais pas son boucher, mais. Faut pas le froisser, lui. Hein. Cabane fétide. Ça doit puer un peu. Faut imaginer l'odeur. Ah, heureusement qu'on n'a pas l'odeur dans les jeux. C'est ça, j'allais dire. Y a des mecs qui développaient des trucs là-dessus comme ça. Ouais, mais ça marchera jamais. T'imagines un truc comme ça? Tu fais juste une odeur de charogne et de mort et de brûlé un peu tout le jeu. Ouais, je vais essayer d'aller vite faire, encore en fait, que non. Chercher ça. Ce serait dingue. Parce que je crois que c'est là qu'il y a la map. Ah. Franchement, en vrai, ici, voilà. Ici, charogne avec une petite odeur de feu brûlé dégueulasse. Et par contre, dans la prairie, quand il n'y a rien. Bah, une petite odeur de prairie, tu vois. Une petite odeur de prairie. Avec des fleurs, de l'herbe. Bah ouais, carrément. Tu vas aller où, là? Bon. C'est pas par là. Bon. Et ouais. Il est beau, hein? Il y a un autre passage quelque part. Merci, Captain. Ah, mais de toute façon, c'est pas là où je voulais aller d'abord. Là, j'avais été parce que les machins me couraient après. Beaucoup d'exploration pour trouver le chemin. Beaucoup de tutos sur le net. On n'est jamais vraiment perdu. C'est un jeu communautaire, il paraît. Ouais, on n'est pas obligé. Mais il y a une très très grande communauté là-dessus qui donne tous les petits trucs qu'ils ont. Ouais, moi, je dois aller là-bas en bas, mais comment je fais? La musique, là. Oh là là. Il y a de la musique. Puisque là, je me fais attaquer et... Ah, les pics, c'est joli, là, les trucs de terre, les pics de terre. Trop beau. C'est quand même joli, mais bon, c'est vrai que c'est... Faut pas regarder trop près, mais franchement... Ouais, moi, je veux aller là, moi. Ah ouais, bah, saute. Saute. C'est ce que je te dis. Si je saute, je meurs, moi. Bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est chaud de pas pouvoir voir la map comme ça. Attends un peu. Ouais, on peut stepper comme on veut, quand on veut. Ça aussi, c'est génial. Les fonds d'écran sont vraiment beaux. Ce que je me dis, moi, d'ici. C'est par là, en fait, que je vais peut-être aller. Là, il y avait un boss, là. C'est quoi, là? Un truc vert? Un PNJ. Ah. Je sais pas ce qu'il me veut, il parle pas. Ah, il est peut-être... C'est un rocher, maintenant. Il a cristallisé. Il est resté là tellement longtemps que c'est devenu un cristal. Mais... J'ai déjà tué un PNJ, j'ai peur de le regretter. Bah oui, c'est ça quoi. Souvent, ils ont des quêtes. Parce qu'à mon avis, après, t'as du vide. Là, t'es sur un pic de terre, non? Ah, tu peux peut-être sauter. Ouais, c'est bon. Peut-être. J'ai déjà été là. Là, j'ai déjà été. Oh, oui! Quoi? Je crois que c'est la fameuse grotte pénible. Ah. C'est celle-là. Ah oui, tout à fait. C'est quoi qui t'a vu là? Je sais pas, y a quelque chose qui m'a vu. Des loups, ouais. Y a un truc qui t'a attaqué. Ah bon? Moi j'ai entendu un arrrr et après des trucs bleus qui volent de partout. Ah, j'ai pas vu moi. Ouais, c'est un peu levé bizarrement. Vas-y, il a fait. Oh! Ils sont plusieurs. Ah! Lequel d'abord? Ah, les deux, hein. Ah oui. Ah, c'est des sacs à PV, je supporte pas ça quoi. Sac à PV, ils ont quoi? Un coup, ils sont morts. Ah, le mec. Je crois que je suis là. Oh, Stésia! Trop cool, merci beaucoup. 11e mois.
Bonsoir Astasia, comment vas-tu? Bientôt un an, oh là là! Oh, ça fait toujours quelque chose cette musique. Ah ouais, surpris. À fond. Mais nous on va bien, écoute, on passe... J'espère que toi aussi, ta petite famille aussi, que tout se passe bien surtout. Excellent, merci beaucoup. On est vraiment passé des deux extrêmes, Kirby à Elden Ring. J'avoue, n'importe quoi ce soir. On appelle Kirby, la démo de Kirby. Bien. Kirby? Tu dirais quoi toi, Kirby ou Kirby? Kirby. Kirby. Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il a dit Kirby. À la fin, il a fait Kirby. Ah peut-être, moi j'ai pas écouté. Ah, mais Kirby. Mais du coup j'ai un doute. Ah tiens, moi j'ai toujours dit Kirby. Oh c'est joliment écrit en plus, trop chou. Ah mince, je suis dans le faux depuis le début. Ma vie est un mensonge. Tout le monde va bien, impeccable, bah tant mieux, ça c'est chouette. J'imagine que si tu viens là, c'est que tu as un petit moment de répit, donc ça c'est cool. Kirby. Toi, je savais bien que c'était Kirby. J'avais un doute depuis le début. Ouais, mais ouais. Oh. Ouais, mais ouais. Il y a un truc là-bas. Il y a un dragon. Tu te rappelles le dragon que j'avais été? Je sais plus où il est. J'attends le réveil imminent pour le bib. Il m'étonne. J'adore le imminent. Ouais, j'avoue, j'avais envie de le prendre et tout. Hein. Ah, c'est énervant. Ah, c'est frustrant. C'est frustrant, ça. Ah... Pourquoi c'est là qu'il faut que j'aille, moi. Bah, saute, c'est pas très haut. Non, moi je meurs si je saute. En plus, là, il y a. Il y a Alfred là qui m'attend. Alfred. Alfred la citrouille. Est-ce que c'est pas un beau nom pour une citrouille, Alfred? Il m'a vu. C'est Alfred m'a vu. C'est lui? Ah, c'est Alfred. Ah, je sais pas. Y'a pas un prénom qui finit en ouille? Jacouille la citrouille. Jacouille, bah voilà! C'est mieux quand même. Non, c'est bizarre là, j'ai un message. Pourquoi est-ce que j'ai un message? C'est comme Paulette la poulette. Il y a des, oui, donc, des prénoms comme ça. Les pierres arc-en-ciel conduisent à un trésor. Ben voilà. Ça conduit à un trésor, ça. Ah, donc il faut trouver l'autre. Ouais, alors je joue hors ligne parce que j'ai remarqué mon PC complètement crash en ligne. Ah, t'es hors ligne là? Ouais, je. Et c'est quoi, le message que t'as eu? Ben, c'est un message du jeu. Ah, c'est. Ah, ok. Le jeu peut te laisser des messages aussi en mode. En mode sympa, quoi. Ah, c'est pas mal, j'avoue. Le jeu balance de la foudre comme ça au calme. Ah, c'est pas mal, on est en 2022, quoi. Ouais, non, mais. Ils sont obligés de le faire, quoi. Ah, non, juste démerder et deviner. Ouais, mais t'as compris peut-être ce que c'était? Bah, non, mais si on en avait trouvé une deuxième pas loin, on se serait dit, peut-être qu'il faut les suivre. Ouais, ouais. Tu vois? Pas dans Mario ici. Hein. On commence à voir le rythme. Oh, le petit ange qui pleure pas beaucoup juste quand il a faim. Oh, le rêve. Arrête, tu vas faire des jaloux. Boum. Mais ça, regardez ça, ce combo. Mais c'est moi ou il bouffe... Il se bouffe entre eux, là. Non, il pleure, il est en train de pleurer. Ah, il est en train de pleurer? Mais oui, il pleurait, il était comme ça en mode... Mais il est pas en train de pleurer, ils sont en train de bouffer, là, regarde. Non, regarde, il pleure. Regarde. Il pleure? Ils se tiennent la main, la tête. Ils sont dégoûtés, toi tu les tues en mode... Ah ouais? Bah là, au moins vous pleurez pour quelque chose. Qu'est-ce qu'il m'a balancé là? Tu l'as pas vu venir celle-là. La maternité, on entendait les autres bébés, on disait waouh, on a de la chance. Ouais. Ah, tu m'étonnes. Oh là là. On peut crier fort, ouais. Ouais, on loot des trucs là. Ah, ils se sont vraiment fait. Il y a eu une malédiction là? Bah non, une guerre. Il y a une guerre là? Regarde, ça a tout cramé. Ils sont morts brûlés en fait. C'est le Haut-Dagan qui est passé par là. Tout cramé. Regarde, ils pleurent et tout. Toi, tu les tues. Ouais, mais si je fais rien, ils vont me buter, hein. Peut-être pas. Par contre, si je les laisse tranquilles, ils me laissent tranquille aussi, hein. Moi, j'en sais rien. Regarde, lui, là, il fait quelque chose. Ouais, non, non. C'est pas grave, ça me fait des runes. Bah ouais, du coup. Combien par. Hey, t'as un niveau là, non? Non, pour mon niveau, je crois que je dois être à 61 000. Ah. On est niveau 100. On est niveau 100. Oh. Oh. Le gars qui a pas du tout joué. Ouais, c'est ça quoi. Niveau 100, moitié du jeu. On va vous présenter un petit jeu là. Voilà, il y a une hype dessus, pareil. Donc on va tester. Le mec, il est niveau 100. Ah, mais je suis qu'à la moitié. C'est vraiment qu'à la moitié. C'est. Pour vous dire, en 20 heures, j'avais fini Dark Souls 3, je crois. Ou c'était 30 heures. Enfin. Sérieusement? C'est plus que ça? Ouais, ils sont courts par rapport à ça. T'es resté genre 600 heures dessus? Oui, parce que tu peux recommencer le jeu encore et encore. T'es resté combien de temps dessus en vrai? J'ai fait 600 heures. Ouais, c'est ça. Oh putain. J'avais adoré.
un de mes jeux préférés. Il a fait, il a tout fait. Le run no hit, le run en slip. Non, je rigole. Mais j'avais 100% des objets. Ah voilà. Ok. Bon bah voilà, il avait tous les Pokémon. Mais ici c'est. Eh, t'as un truc là. C'est un champignon. Voilà. Honnêtement, largement au-dessus de Dark Souls 3 sur quasiment tous les niveaux. Ça manque un peu de cathédrale. Ouais, mais attends, c'est parce que je suis dans un endroit. J'ai même pas la map d'ailleurs, c'est ça que je vais aller chercher. Les cathédrales immenses là, un peu. Oh, oh ouais, oh, il est beau lui. Avec la petite musique. Ouais, enfin, il est beau, dingue. Il est beau. C'est le même que le début, t'as vu? Ouais. Par contre, j'ai pas ma mimique ici, donc va falloir y aller c'est en quoi, mode. C'est un insecte avec une tête humaine. Oh, oh, oh deux fois. La violence. Ça a touché deux fois. Et c'est même pas un boss, c'est juste un mob. Ouais, c'est juste un mob. Mais... Ah, il crie! Il peut faire ça? Bah, genre s'autoriser? Il a une tête d'homme, quoi, donc il a des cordes vocales. Oh, bien! Ouh! Oh, j'ai plus de vigueur. T'avais. Oh là! Ouh! Ouh! Et... Ouh! Et violence, tuer, hein. Ouh! La violence! Attention! Ouais, ça, il est pas content, hein. J'ai tué son copain du début, moi. Et oh, oh. Oh. Eh, mais il fait mal, en fait! Eh, mais ça pourrait être. Oh! Et on est mort, hein. Vous avez péri. Ah. Ouais. Et... Ouais. On s'y attendait pas à ça. Comment hein. Le malin, là. Parce que maintenant, le problème, c'est d'arriver à retourner là-bas. Et de récupérer les runes, mais sans se prendre de dégâts. Toujours ça, le problème. Ah bah ça, elles sont là. On va jouer autrement. Elles sont où? Ah, il est là. Il a joué comment? Avec ma grosse épée. Ah oui, c'est vrai, t'as changé, ok. Ah ouais, on rigole plus. En plus, maintenant, tu le connais. Tu connais Jean-Pierre. Hop là. Ah ouais, et toi, tu raisons le cri en mode au calme. C'est bon. Bah, en mode tant qu'il m'attaque pas, oui, ça va. Eh, mais il est violent, lui. Ouais, c'était pas nécessaire, ça. Ah, j'ai voulu faire la grid. C'est tellement greedy, quoi. Ouais. Alors, après, c'est vrai que c'est pas... C'est même pas un boss, j'hallucine. Il a même pas non, une barre pas de boss. Oh, le iframe. Oh, c'était beau, ça. Mais il y a des boss qui sont plus simples que ça. Hein. Ah, c'était... Ouais, c'est pour ça. Regardez ça. Boum. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai balancé un petit couteau. Sérieux? Tu peux faire ça? Bah oui, je peux faire ça. Je fais ce que je veux, c'est mon jeu, j'ai payé, hein. Oh. Tout ça pour quoi? 2000 runes? Oh là là. C'est pas mal. C'est déjà ça. Non, c'est un bête mob, mais... Les mobs des zones qui suivent les boss sont plus forts que le boss de la zone d'avant. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Ils sont rapides, hein. Tu peux presque... Ça, tu peux presque tout faire. Genre le presque. Tout est dans le presque. Sauf du housing et cultiver des légumes. Ah, on peut ramasser des carottes, je crois. C'est con, je l'aurais bien fait. On peut même crafter. Bah oui, pourquoi tu fais pas ça? Regarde, fabrication d'objets. Qu'est-ce que tu veux que je crafte, moi? Vas-y, vas-y, dis-moi un truc utile. Je sais pas, une potion. Regarde, des pattes de poulet, là. Une potion de augmente la quantité des runes obtenues pour une courte durée. C'est bien, ça. Bah, voilà, nickel. Ouais, je peux en faire qu'une. Non, j'ai vraiment pas le craft pour les flèches. J'ai pas d'arc. Pour ouais. Les bombes. Les potions. C'est pas non, en faire. Non. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas trouvé de quoi faire des potions. Ah, augmente temporairement l'immunité. Oh. Genre l'immunité, du coup, tu tombes pas malade. Poison, ce genre de truc. Excellent. C'est sûr qu'il y a des trucs intéressants. Renforce temporairement les attaques physiques, ça c'est bien. Bah voilà. Améliore temporairement la résistance. Le craft. Enfin, en même temps, la résistance, je joue en slip, moi, donc... Regarde ton petit déhanché, là. Même 10 fois plus, 10 fois 0, ça reste 0. J'aurais pu me mettre plus de résistance, c'est vrai. Bon, la résistance dans ce genre de jeu, généralement. Je sais pas où je dois aller, hein. Là, vraiment, on explore. Pour aller par là-bas... Tu pourrais remonter. Je sais pas. Mais tu l'as atteint ton point. Ah non.
J'ai rien atteint, moi, là. Regarde, il est à 2 mètres, il paraît. J'ai commencé le live en même temps que toi. Il est où, ton point? Bah, il faut que je monte. Mais il y a plein d'échelles, c'est laquelle, la bonne? Bah, tiens, celle-là, elle monte là-bas, elle monte là-bas, ici. Bah, ouais, vas-y. Ouais, mais... Eh, mais il y a des mobs. Ah bah oui, évidemment. Attention... Oh là là. Évidemment qu'il y a des mobs. Vas-y, fais-le tomber. Ah non. T'aurais pu, hein. Ça aurait pu. Je trouve beaucoup moins frustrant que les autres. On arrive à grimper, là. From Software. Et on a moins cette sensation de stress. Je me rappelle, en Dark Souls 3, à chaque fois que j'étais dans la nouvelle zone, c'était pas par pas, par pas, par pas. Par pas, par pas. Vas-y, refais-le. Genre, tu rentres dans une porte, tu fais un 360 degrés, tu regardes à gauche, à droite. Pas, par pas, par pas. C'est là-bas que je devais aller, moi, en fait. Pas, par pas, par pas, par pas, par pas. Ah, je dis regarde bien, là-bas, là, il y a un truc là qui me regarde. Ah ouais. C'est pas une qui chante là? Ah non. Non, ok, ils vont ça balancer. Va, ça va péter. Ça va péter. Voilà. Une balance de trucs et lui après il arrive évidemment. Bah ouais, c'est un joli comité d'accueil. Ils ont prévu un petit peu le son et lumière. Vas-y. Oh, je mets New sur Temtem et sa version Switch. Oh, oh, trop bien. Trop bien. Ah oui. Oh. Merci Astésia. Temtem fait clairement partie des jeux. Excellent. Si elle a la version physique sur tout Switch, tu comprendras. Ça va être trop bien. Ah ouais, mais à fond. Il parle s'il y aura la possibilité de récupérer sa partie. Ou je rêve. C'est bien de rêver aussi. Par contre, j'aimerais bien une grâce quand même là, parce que. Une grâce. Ouais. On va faire en mode cheval, hein, comme ça, si jamais je me fais attaquer. Ça, c'est trop bien aussi, on peut se taper au cheval. On peut se taper. C'est un peu moins précis, forcément. Oh, c'est beau ce qu'il fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des ultrasons? Tu sais quoi? Bah, je vais pas aller lui demander tout de suite. Là, je prends ça, parce que ça, c'est pratique, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est des yeux d'ambre. Ça sert à quoi? Je sais pas c'est qui ambre, mais... T'as pas encore lu? Ah. Bah, ils disent peut-être... On y pense. Non, ils avaient dit qu'il y aurait une version Switch pour... On y pense, ça va venir. Ils l'avaient dit pour la release, je pense, même. Oh. Vous avez vu ça? J'adore quand ils font ça. Oh, le boss! Et on tombe sur un boss, créature stellaire adulte. Parce que t'as des adolescents. Je suis pas prêt. Tu l'as fait à cheval? Ah non. J'aurais peut-être dû le faire à cheval, si. Ah, il est beau. J'aurais peut-être dû le faire à cheval. Ah, il est trop beau. C'est peut-être fait pour être fait à cheval. Et il est magnifique. Là, je crois que je vais prendre des dégâts. Ouais. C'est sûr et certain que j'allais prendre des dégâts, mais je vais quand même dedans, moi. Ah, il est beau. Je crois qu'il se fait à cheval, lui. Ah, il peut se faire à pied aussi. Ah ouais, bien sûr. À pied, à cheval. Après ou avant la suite de Breath of the Wild? Alors là... Alors là... Oh, il est violent quand même. Ce qui m'embête, c'est qu'il a l'air immune au saignement. Ah, bah en même temps, si c'est de la pierre, il saigne pas vraiment, quoi. Ah non. C'est sûr que la pierre qui saigne... Attention, à mon avis... Ah, dans le cul, là, fais gaffe à la queue. Voilà. Je l'avais dit. Toujours, ça. Toujours. C'est la base. Il est vraiment trop beau, j'aime beaucoup. Ouais. L'impension, la petite impression. Oula, je fais zéro dégâts par contre. Hein. Ouais, non, mais. Ouais, j'avoue. Ah, si, ouais, non, mais si. Non, mais si, je lui fais zéro dégâts. Oh! C'est comme un cloporte. Trop joli. C'est toi le cloporte. Oh, de toute façon, ça va péter. Attention, ça va péter. Ouais. J'ai même pas mis mi-vie encore. Il est peut-être pas censé être là maintenant. Hein. Il est costaud. Oh, c'est bon, tu vas y arriver. Si tu l'as mis là, tu vas y arriver. Je suis pas sûr que j'y arriverai. Hein. Ah, vraiment beau. Ouais, mais. Que... J'ai pas du tout les armes pour. À mon avis, lui doit être faible à. Quoi? J'ai pas de la glace, de la foudre. Ah, mais... Un truc que j'ai pas, quoi. Ah, mais t'as pas de magie de base. Allez. Il est tellement beau. Allez. Je kiffe. Et mamie qu'elle reste dessus, hein. Pas malin ça. Ah ouais.
Ouais, bah ouais. Ah oh, c'était pas fini. C'était pas fini. En plus, t'as un temple. Oh. Le concret qui sort le cheval. Attention, c'est pas fini. Oh là, ta mimique, elle prend cher. Ouais, mais j'ai pas... Je lui fais zéro dégâts. Et ouais, Mick est mort. Elle est partie. Alors c'est pas grave, hein. C'est ça qui est bien aussi, c'est que je suis pas obligé de rester, moi, là. Oh, tu te casses. C'est une bonne idée, là. Non. Ah, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu fais? Ah si, si, tu peux tomber. Mais t'es sûr que t'as envie de tomber? Il va me suivre ou pas? Ah, c'est beau ce qu'il fait, il fait des feux d'artifice. Il va peut-être pas me suivre. Hein. Oh, comment il a fouillé. Oh, comment ça, il a fouillé? Il a fouillé. Ça s'appelle un retrait stratégique. Mais t'es pas du tout retiré, là. T'es encore à la barre du boss. Ouais, mais j'essaie de voir pour ne pas tomber, là, surtout. Hop là. Voilà. C'est juste une blague pour le fait qu'il soit... Le rebrouche chemin. Eh, mais on était déjà là tout à l'heure. Non. Un autre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'avoue, il n'y a toujours pas de date, donc 2022, je pense que c'est non. Hein? Et sinon, ils aiment bien annoncer fin 2022, ça leur laisse un peu de temps. Ouais. Bon, bah, tant pis. On va attendre encore un petit peu, c'est pas grave. Toi, ça, ce serait trop bien s'ils avaient fait ça. C'est quoi ça? Un truc que tu peux suivre, je sais pas ce que c'est, et qui t'amène genre sur un précipice. T'es d'accord que c'est un piège? Mais ce serait bien. C'est le cas. Ah non! Ça mène nulle part. Ça mène sur quoi? Ça mène sur ça? Ouais, fallait que je le... Avec tu quoi? Ça, c'est un truc à taper, ça. Ah bon? Ouais. Comment ça? Bah, à mon avis, ça, c'est un truc à taper. Il y a un truc là au bout. Taper? Ouais, bah, regarde comment il bouge. Il bouge comme un truc à taper. Attention. Il vient par là? Il est où? Ah, oui, 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 c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Viens ici. Du tout. Je sais pas, j'en sais rien, moi. C'est quoi ce truc? T'es sûr que je peux pas taper ça? C'est chelou, hein. Là, il y a un truc à faire, on est d'accord quand même. Ah, bien sûr. Il y a une noix Korogu. Ça ressemble quand même à un truc qui se déplace. Si je... Oh, j'ai pensé pareil, Dark Cleaner, j'avais pas lu le chat. Un Korogu. Excellent. J'avais pas du tout vu. Ah, ah, qui avait raison? Qui le avait raison? Ah, bah, t'avais pas bien tapé du coup. Bon, bah. C'était un boss. Écoutez, c'était un boss glorieux. J'ai quand même envie de voir si on n'a pas. Un site de grâce. On va essayer de le refaire. Ah ouais, oh, il est trop beau en plus. Mais genre avec d'autres. C'est quoi ça? C'est ton point? Ton point en fait. Hé, hey, c'est ton point. Ouais, c'est mon point. Pourquoi t'as mis un point ici? Oh! Ah oh ouais! Je crois qu'il y avait la map là. Là, je vais juste passer derrière. Voir s'il n'y a pas un site de grâce. Je sais pas, on va mourir. Hein. Ils m'ont vu ou pas? Ouais. Vraiment, ils m'ont vu? Bah, il s'est levé en tout cas, donc c'est un mauvais signe. Ah ouais. Je crois qu'ils m'ont vu. Oh là là. Cours la grille, cours! Je crois que les ennemis sont dans la capacité de passer des portes. Je crois que je vais me faire attaquer ici par un ennemi. Non? Oh là, c'est le portail bloquant. Ah. C'est beau ici. C'est beau chez vous. Pas content. Hein. Je vais ouvrir la porte. Et boum, un boss. Bonne soirée, Pascal. J'avais même pas vu, désolé. Bonne soirée, Pascal. Repose-toi bien. Gros bisous, à très vite. Manoir du volcan. Ah oui, un site de grâce. Parfait. Oh. C'est beau en tout cas, c'est vraiment très beau. Oh, regarde cette table! Waouh! Oh, la table octogonale. S'il y a 8 côtés, j'ai bon. On va compter, hein. On va compter ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça? Non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah! La table octogonale, hop, du premier coup la d'œil. La table octogonale. Je le savais. Bon. On va se faire celui de l'arrière là. Hey. En mode voilà. Oh ouais, direct dans les fesses là. Baisse-toi. Et paf.
pied. Ah oui, évidemment, on passe sous ses pieds. Oh, il va... Je crois qu'il va... Il va faire un truc, là, avec... Non. 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 Oh, ils sont beaucoup. Ils sont deux. Ah non, trois. Et quatre, il y en a un derrière, hein. Tu crois quoi? Quatre. Comment ça, quatre? Il y en a un derrière. Ouais. Bah, reste pas là, reste pas là, reste pas là, reste pas là. Ah, oh, les flèches. Oh, le porc épique. Bah oui. Regardez ça. Oh, la potion. Regardez ça, toutes les flèches que j'ai dans le corps. Que Boromir. On a même une dans le genou. Ah non, dans le tibia. Allez, non. J'étais aventurier autrefois. Tu racontes, regardez ça. Et classe ou pas classe? Ou classe? Mais ouais, les fesses ce soir, c'est chaud. Bah oui, mais en même temps, franchement, regarde, il était comme ça là. Et concret, il arrivait derrière avec sa grosse épée. Et ouais. C'est tentant quand même. Et ouais. Et bon. Ouais. On va essayer quand même de refaire le boss. Je suis pas sûr qu'on pourrait y arriver. Je suis pas sûr non plus. Je vais quand même essayer de mettre un peu de résistance. Parce que la mimique prend toute la résistance qu'on a. Donc on va essayer de se mettre un peu en mode. En mode mieux. Je Alors là, tu vas où? Tu vas dans le manoir ou tu retournes sur le boss de tantôt? Je vais aller sur le boss tantôt. Mais d'abord dans le manoir. Le but c'est de récupérer. Le problème, c'est que il est chaud, le boss, là, pour le moment. En plus, tu lui fais pas beaucoup de dégâts. Non, je lui fais zéro dégâts, donc... c'est là où j'ai un peu peur de pas être prêt, en fait, pour lui. Ça lui ira. Ce qui est possible, hein, que je ne sois pas prêt pour lui. Oui. Tout à fait possible. Et si pas, on ira voir ce manoir, c'est très bien. C'était... Moi, je pensais qu'il y avait une carte, là, quand même. J'aimerais bien aller voir là-bas. Je suis sûr qu'il y a ma carte, faut juste que je trouve le chemin pour y aller. Ouais. Bah, il est toujours là, lui. Ah bah. Ah bah oui, tu t'es reposé. Ouais, mais il y en a certains qui reviennent pas, quoi. Ah. Coucou, Hera, tout à fait, c'est Hera. Coucou, Hera, oui, c'est bien Hera. C'est bien Hera. Ouais, il est pas content, lui. Oula. T'aimes bien son cri, il était cool. Oh, c'est beau. Ouais, mais comment je fais pour y retourner, moi, maintenant? Ah, ils ont fait exprès. Oh, tu peux pas. Ah, zut. Ça craint. Ah, ouais. Tu crois que ça passe, là? Non. Tu veux faire quoi? Non. Je aurais voulu aller plus haut, mais de toute façon, ça passe. Mais, pas de là. Elle a testé un peu Elden Ring. Pas son truc. Le gameplay est un peu lourd, c'est vrai. Ah ouais, j'ai pas testé longtemps. J'ai testé une demi-heure, pour tout avouer. Je suis rentrée dans une grotte, genre directement. Il y avait des gargouilles. J'ai réussi à me les faire, alors que je suis morte 20 fois parce que t'en avais une au fond. Donc je l'ai eu direct. Et une qu'il fallait trigger, qui était cachée. Et elle me défonçait. Mais un truc de fou. Et finalement, j'ai réussi à la voir. Et après, j'ai tué d'autres gargouilles. Et j'ai même fait le didacticiel. Non, c'était... J'ai pas été hyper hypé. Beaucoup trop lourd, ouais, le gameplay. Trop... Puis voilà, c'est vrai qu'il y a quand même que des combats tout le temps. Ouais. Après, en coop, pourquoi pas. Mais il aurait quand même fallu que je joue un petit peu plus et voir si j'adhère. Parce que... Ça veut quand même dire acheter le jeu deux fois. Ouais. Et là, j'ai pas été assez tenté pour ça. Dans ce cas-là, on va essayer de récupérer quand même nos... Nos âmes runes. Nos runes, hein. Runes, pardon. Ouais, sans mourir. Oh bien! Il a fait saigner ma méduse. Il a fait saigner ta méduse? Ouais, regarde, t'as vu? Oh! Et elle prend comme ça des dégâts et elle peut... elle s'arrête de parer à un moment donné? Non. Je sais pas. Tu peux parer comme ça À l'infini, tant que j'ai l'endurance, ouais. Ah, c'est ça. Attends, on va essayer de pas mourir, là, quand même. Ah, une maison mise là au-dessus. Ah, les fourbes. Vous allez faire Triangle Stratégie. Moi, j'ai commencé Triangle Stratégie. Mais Ah oui, en live, tiens. Probablement pas en live, non, parce que... Ah, c'est du solo. Ici, c'est vraiment particulier. On fait Elden Ring parce que la démo de Kirby était vraiment très très courte.
vrai qu'on fait de moins en moins les jeux solo. Et bon, il n'y a rien à faire. J'aime beaucoup Triangle Strategy. Mais voilà, c'est beaucoup de blabla. Le jeu, c'est vrai, n'est pas très interactif. Et bon, j'ai peur que ce soit quand même un petit peu... chiant, en live. Endormissant, on va dire. Ça se dit, ça ? Soporifique. Soporifique, c'est mieux. Mieux. Mais je l'ai. Et je suis à 5 heures de jeu, là, à peu près. Ça a l'air hyper intéressant. Moi, quand je vois Concret y jouer, j'aime beaucoup. Très joli, en plus. Les dialogues sont vraiment cool. Et le fait qu'il y ait des choix, c'est vraiment très sympa. Et qui influe vraiment sur le gameplay, quoi. Enfin, sur le jeu, pas sur le gameplay. Pas grave. J'aimerais bien vraiment aller aux deux. J'ai une route qui va. Ma route là, comment je fais pour aller là? Au 3 maintenant. Concret va mettre des pings sur toute la map. On peut en avoir combien en même temps? On peut en avoir 5 en même temps. C'est quoi cet arbre là? Y a pas un truc à prendre dessus? J'ai déjà pris. Ah. C'est pour améliorer nos fioles. Ah. De soins. Pourquoi je peux descendre ici? Ouais. Il a fait Xenoblade, bah il a fait l'autre là, et il se dit « Oh mon dieu, comment je vais faire? Faut que je fasse le 2 avant que le 3 sorte !» J'ai juste fait le 1, j'ai pas encore fait le 2, je dois faire... T'as commencé, ouais. Faut que je fasse Triangle Strategy... Ah, mais c'est quoi ça? Bah c'est demain. Oh, y a trop. Y a vraiment trop de jeux à faire, pour le moment, j'y arrive pas. Ah. En fait, c'est vraiment demain comme ça qu'il faut. Donc là, j'aimerais bien faire Xenoblade 2. Et je le ferai évidemment avant la sortie du 3. Mais C'est horrible ces mobs. Je l'ai acheté, c'est déjà ça. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous faites les chats? Hey. Mais vu qu'en fait on peut reprendre la sauvegarde de Triangle Strategy à partir de la démo, je pensais continuer d'abord ça. Et oui, j'ai vu l'annonce du 3, c'est ça qui m'a donné envie d'acheter le 2. Moi j'avais juste fait le 1, que j'avais adoré. Donc j'ai vu évidemment l'annonce du 3, qui a l'air trop bien. Donc j'ai pris le 2. Qui est beau. Ah, je savais bien que j'avais raison. De quoi? Eh, regarde. Ah, c'est ça les cartes. Oh, oh, oh. Tu veux bien la caméra, là? Ah, j'avoue que la caméra, j'ai pas compris. Ouais, parce que la caméra, elle est... Ah, mais ce mob, c'est horrible. Ah, ils ont l'imagination quand même les développeurs. Hein. Ou les. Voilà, game designers. Ouais, c'est japonais, hein. Ça me semble pas très bizarre chez eux. Quoi. Une main avec 10 doigts, ils ont l'habitude. Hein. Priorité à la licence Gauthier du JRPG. Jouzy. Tu parles de quel, de quel jeu? Alors, oui, j'avoue. La licence. C'était pour Xenoblade Gauthier. C'est laquelle? C'est laquelle selon toi? Xeno. Ah. Ouais, je vais le faire. ouais. En plus, on l'avait lancé 2 minutes. Oui. Le 2, il est super beau. On s'est dit que c'était très très beau. Et on s'est dit aussi que c'était vraiment, encore une fois, dommage pour Arceus parce que Xenoblade, c'est quand même un monde ouvert, tu m'as dit, hein, c'est quand même un monde hyper vaste. Ouais, c'est un monde ouvert, enfin, à moins qu'on m'ait menti. T'as des voix, t'as un doublage. C'est vraiment pas mal beau. Le tabar là. Et là tu fais Arceus, ils ont vraiment été gros, ça a vraiment été des gros feignants quoi. Là c'est trop dommage. Quand tu vois Xeno, tu fais Et quand tu vois Kirby. Oui mais bon Kirby ouais non j'ai rien à dire carrément. Non y a rien à dire. Pour ceux qui ont raté notre petit 10 minutes d'intro sur Kirby, le jeu est vraiment excellent. Ouais. Enfin excellent. Il est beau. Ici il va y avoir un boss. Fun et beau. Ici il va y avoir un boss mesdames et messieurs. Ah, il y a un truc d'invocation. Ouais. Du coup, ça veut dire... Prépare-toi. Ah, c'est Xeno-X qui est ouvert. Xenoblade 2, pas. Ah bah, c'est possible. En tout cas, il est beau. Et on s'est dit, c'est quand même dommage. C'est vrai que j'ai... Nouvelle carte trouvée. Bah ouais. Ça y est. Il était où, mon site de grâce? Mais il y en avait un, là. Je viens d'en prendre un, il était où? Ah bon? Bah ouais, là. Voilà. J'en ai pas eu un avant. Biblon, il y a un boss. Alors j'espère pas comme l'autre là parce que... Après Saint-Pierre, c'est vrai que moi j'ai pas du tout les bonnes armes pour ça. Et j'y reviendrai dans 50 niveaux. Une arme pour ça. D'ailleurs faut pas que j'oublie.
Ce qui est bien aussi, c'est que je peux... C'était ici, hein. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Comment c'est ? Repère. Et genre un boss. Voilà. Trop classe. Vraiment... Ouais, tu vois, c'est ça Dark Cleaner, on est d'accord. De base, même si c'est un semi-ouvert, voilà, il n'y a aucune excuse, quoi. Aucune excuse pour Game Freak d'avoir fait un truc pareil. Le jeu, encore une fois, est cool. Et ouais, on a joué tous les deux, on a acheté le jeu deux fois. Et j'ai adoré aussi. Tous les deux. Hein. Voilà. Donc, aucun souci avec ça, mais c'est tellement moche. C'est juste qu'il y a quand même aussi beaucoup de commentaires qui ont dit « Ouais, mais c'est la Switch ». Ah, c'est ça. Faut prendre ça en compte. Et... C'est pas la Switch ? Non, la Switch est capable de très belle. Voilà. Donc ici, il va y avoir un boss, mesdames et messieurs. Je crois que c'est un boss important en plus. Ah bon ? Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Ce qui me fait dire ça ? Ouais. C'est la flèche là qui dit. Non, rien en fait. Ah ! Oh ! C'est un arbre ? Sérieusement ? Ah, c'est un. Un lézard arbre. Ah ouais, il est beau. Oula. Lui, il fait du poison, à mon avis. Esprit d'arbre. Ah ! Oh, l'attaque ! Ah, il vient de bouffer. Ah, il t'a bouffé. Il m'a pris, là, déjà. Ah ouais, ouais. Je vais mourir. Hein. Là, t'es dedans, là. Là, t'es bien dedans, là. Ah, il t'a bouffé. Ah ouais, il est gros. Ouais, hein. Ah, quand il pense à son attaque, là, c'est horrible. Pardon. Donne des coups à concret pendant qu'il joue, quoi, le truc horrible. Oh, truc horrible, quoi. Ouais. Et il va me tuer. Ah oui. Et s'il m'avait donné un coup de queue, là, j'étais mort, hein. Ouais. Il a pas bien joué, lui. Vas-y, la mimique. Oh, il est de la mi-vie. Qui, c'est à moi? Ouais. Non, pardon, aussi, oui. Attention, il va faire son truc. Le problème, c'est que la dernière fois que j'ai fait ça, je suis tombé. C'était contre un dragon. Et je suis tombé. Ah merde, il a pris ma mimique là. Ah oui. C'est le moment de Greed. La Greed. C'est le nom de perso, la Greed. C'est la Switch. Non, c'est le grind de Nintendo X Game Freak. Ouais, bah oui, bien sûr. La Greed. On Greed. Ah, là, c'est chaud quand même. Oh bien, j'ai eu le temps de prendre ma potion, je crois. Ouais, et il est beau, hein, lui. Il est très sympa. Attention. Mais voilà, mais par rapport à celui de pierre, le truc, c'est qu'il prend beaucoup plus de dégâts. Il saigne. Il peut saigner. D'ailleurs, il c'est un saigner, arbre, ouais. C'est bizarre. Ah, c'est même pas un ennemi majeur. C'est même pas un ennemi majeur. C'est un boss normal. Oh. L'arme solidifiée grise. L'arme secrète. Céruléenne. Mais je suis pratiquement sûr, moi, que Arceus... Et j'en avais déjà discuté avec Mewen avant que le jeu sorte. Merci Astésia. Ça ressemblait vraiment à une démo technique. Tu vois, le style de jeu avec lequel tu arrives devant les investisseurs. Voilà, écoutez, on va sortir deux nouveaux Pokémon, comme d'habitude, et on aimerait bien le faire de telle façon. Voici la démo technique. Bon, on a fait un petit village juste pour vous montrer, vite fait, avec les 2-3 Pokémon. Et je suis sûr que c'est ça que Game Freak a fait. Et les investisseurs ont fait « Ouais, mais votre démo technique, là, elle est jouable. » Ouais. Eh bah sortez-la. Et ça a fait Arceus. C'est tellement plausible en plus. Je suis sûr que c'est comme ça que c'est triste. Passé. C'est très très triste. Mais c'est tellement plausible que quand tu m'as dit ça, j'ai fait... Ouais. Bah non, quand même non. Ah, oui. Ouais, c'était un test. Je suis quasiment sûr que c'est leur démo technique pour montrer sur quoi ils allaient. Et qu'ils se sont finalement dit, bah en fait, ça fera un jeu qu'on peut vendre. De la thune, et ça bah, va faire un carton. Allez-y les gars, sortez-le. Tant pis s'il est bavard, mais c'est pas parfait. C'est pas grave, Allez-y. Ah, carrément, et là tu te dis, bah ouais, ça explique beaucoup de choses. Après, encore une fois, c'était bien. Hein. Donc, Ah, c'est pas la première fois qu'ils font ça? Ah. J'avoue que j'ai pas suivi tout leur jeu à chaque fois, donc. Ah, c'est moche. C'est dans le manoir, je crois, que j'ai un boss majeur. C'est le manoir. Ah oui, mais arrêtez de me taper! Arrêtez de me taper! C'est peut-être le but du jeu aussi. Bah, c'est déjà au moins le deuxième ou troisième boss qu'on a. Quelque chose de très intéressant dans ce jeu, il y a quoi, 80 boss? Bah tu vois, je suis là. C'est pas plus? Genre 83?
Et en fait, vous avez vraiment des boss le temps. Et ça, c'est très bien. Alors, en fait, il me montre le manoir. Donc, j'ai un boss majeur ici. J'aurais bien voulu aller là, la caverne. Je peux aller, en fait, dans la caverne. Elle est là. Ça, je vais laisser tant que je l'ai pas tué. T'as peut-être tout à fait raison. Hein. Bah, franchement, là, je trouve ça hyper plausible. Donc, ça m'étonnerait pas plus que ça. J'espère juste que l'année de développement qu'ils auront ici sera suffisante pour nous sortir vraiment. Allez, corriger tous les défauts d'Arceus. Le problème, c'est que vraiment, c'est qui? C'est Darklinor qui a disparu tout à l'heure. C'est que je trouve que là, ils ont pas de DA. Ils ont une DA qui est vraiment, mais toute lisse et sans âme. J'aime pas trop. Ouais, moi je trouve que ça allait encore. Comment je fais pour descendre là? C'est trop dommage. Oh là, mais c'est horrible ce jeu. Il y aurait moyen de faire tellement mieux. Par où je vais là-bas, moi? J'en sais rien. Bah, essaye de sauter et tu sautes, tu ressautes avec ton cheval juste avant d'atterrir. Ah, ça marche pas ça. Ah bon, ça marche pas? C'est pas par là? C'est par l'autre côté. Hein. C'est par là? Bah ouais, ça descend un peu. Mais là, il y a le boss là. Ouais, ça a toujours été lisse, ça c'est vrai. Mais du coup, c'est dommage. Ah, 73 000. Écoutez, on a un niveau. Et on est au boss. Ah, mais c'est juste avant le boss. Ça a été lisse parce qu'avant, peut-être que c'était dur de faire autrement. J'étais en train de monter la vie, justement. Là, maintenant, il y a moyen de faire mieux. Donc, un peu moins lisse. Et avec des animations, des doublages, ce serait trop bien. On va tester le boss, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai pas suffisamment de damage. Pour me le faire, celui-là. Vraiment. J'y crois à moitié. J'ai surtout l'impression qu'il veut que je fasse en cheval. Ouais, mais Arceus, c'est même pas... Ouais, t'as raison, c'est même pas lisse. C'est lisse. Lisse cranté. Ouais, c'est moche. Ah ouais, coucou. Tu vas pas le faire, du coup, petit. Bon, on va essayer. Ah. Et je peux avoir le temps d'atterrir? Est-ce que je peux jouer, là? Monsieur From Software, s'il vous plaît. Mais t'as vu ça? J'ai même pas eu le temps de venir qu'il m'attaque. J'ai vu. C'est pas cool. Ah, par contre, on récupère les runes ici. Autre élément qui simplifie le jeu. Enfin, j'ai même pas allé récupérer mes runes sur le boss, quoi. Non, mais c'est ma faute. C'était beau. C'était très très beau. Bah oui, tu veux... Ah bah voilà. Ah oui, t'as été directement dessus alors que t'aurais pu ne pas aller directement dessus. Ok. Ah ouais. Test à cheval un petit peu ou... Bah mais à cheval, c'est... Il est rapide quand même. C'est pas qu'il est rapide, c'est que... Ah ouais, mais... Moi je sais pas taper à cheval. Ah. Enfin je veux dire, c'est assez pénible de taper à cheval. C'est bon, je fais 0. Zéro dégâts. Ah si, 207, waouh. Oh la vache. Ah c'est parce qu'il était en animation. Ah bon? Il était en animation, c'est pour ça que j'ai fait 0 dégâts. Ah merde, sérieusement? Ouais. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Mimi, qu'elle prend cher. Tant qu'elle meurt pas. Est-ce qu'il y en a encore un? Non. Oh là là. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on est mieux, nous, ici. Si ma mimique ne meurt pas... Comment ça t'es sur moi là? Comment ça t'es sur moi? Ah là. Bah, du coup t'es parti alors que t'aurais pu continuer. Continuer quoi? Elle est finie. Elle est finie, mais moi j'étais au sol, il faut que je me soigne, sinon si je prends encore un coup je meurs. Hein. Je vais essayer autre chose après. C'est-à-dire? Pas forcément la mimique. J'ai les tanks. Ouais, je vais essayer les tanks. Sait-on jamais? Oh, j'arrive. Ah. C'est que vraiment je suis à zéro. Hein. Après c'est juste long. Hein. Ah mais faut tenir, c'est ça le problème. Sa tête, il prend plus cher dans la tête. Ah ouais j'avoue. Ah oui, oh oui. Ah, ça paraît logique en soi. Allez mais il est... Ah, je suis censé faire un critique là mais j'ai raté. Ah ouais mais il était trop, c'est ça. Ouais il était trop. Ah c'est dommage. Ah il est beau là. Ah ouais. Ah la mimique reste dessus. C'est un scarabée scorpion taureau. Ça, hein. C'est pour ça en fait, faut faire des attaques sautées dans la tête. Ah, ou dans le cul. Ou dans le cul, ouais, il y a du blanc.
Alors désolé Anesthésia, ça parle encore de fesses, mais bon là, on n'a pas trop le choix. Et il saigne dans la tête. Oh yeah. Ouais, sauf que... Il y a un Mimi qui va... Alors là, attention. Ouh. On a greed. Oh, il a pas pris cher là. Ah ouais, reste pas là. Ouais, reste pas là. Oh, il y a de la moumoute. Ouais, c'est ça. Pas si mal là. On était pas si bon, mais le run on était bien. Bah, on est toujours bien, vas-y là. Ah, mais j'ai plus beaucoup de. Attention. D'accord. Non, c'est bon, il a fini. Il a fait attention. Hein. Surtout quand il arrive comme ça avec sa tronche. Il fait le torero. Qu'est-ce qu'il me fait là? C'est ça que tu trouvais joli la dernière fois? Oui. Ah. Qu'est-ce que tu fais mon chat? Qu'est-ce que tu fais là? Oh là là! Oh là là! Vas-y arrête, reste pas là! Reste pas là! Je vois rien! Il faut que j'arrive à le taper maintenant! Allez! Au moins je pique dans la tête, il y a moyen! On sait que dans la tête il y a moyen! Ouf! Bien! Oh! Ça, c'est un téléphone qui est tombé? Non? Non, c'est un jeu. C'est un jeu? Ouais, c'est ça, c'est mon jeu. Ah là là, je suis. C'est chaud! Attention! Allez, hein. Viens ici! Ça, à mon avis, c'est méga chaud. C'est bien, du coup, le petit renfoncement. Il a visé quoi, lui? Bah il a visé le ciel du coup, enfin, il était trop. Oh, regarde comment il arrive en mode vas-y. En mode il est sûr de lui quoi. Ouais c'est ça quoi. Et moi je suis pas du tout sûr de moi là. Oh joli, joli, nice move. Attention. Ouh, concret bien. Il est chaud. Ah, merde, je vois rien, il y a le chat qui arrive devant. Vite. Non. Ah je suis désolé. Ah le chat. Ah oh, ouais. J'arrive pas à taper là. Ah non. Attention. Bah. Ah. Ah. Oh, bien. Par contre, il vise très mal, hein, le truc. Ouais. Bah, heureusement que ça a l'air d'être un peu violent, ça. Ouais. Oh, tu vas prendre. Ça prend pas quelque chose, ça. Voilà. Ah, la violence. Il arrive. Quoi, pourquoi tu m'as vu? Oh la boule! Ah c'est con, c'était le meilleur moyen ça pour taper. Ah c'était un bon moment pour taper. Ah oh, c'est marrant ça. Non, c'est pas marrant. Allez. Moi là, actuellement, à la place du concret, j'aurais mais la manette trempée. J'aurais les mains mais tellement moites. Quelle horreur. Vite. Allez là j'avais là c'est pas juste là. On était jamais à la bonne hauteur en fait, ça qui est chiant. Oh là là, reste pas là. Ah reste pas là. Ça va péter. Bah allez, ça va péter. C'est bien. Bon, on a plus de potions, il est pas bien par contre. Hein. Ouais, donc, ça va. Non plus. Non bah non plus, mais c'est juste parce que là je devrais me mettre en cheval pour essayer de le taper. Ou pas. Je sais pas du tout si c'est en cheval ou pas le meilleur moyen pour le taper là. Là j'aimerais bien pouvoir le taper aussi. Peut-être le cul. Ouais mais. À mon avis ça va être chaud. Mais bon, on sait jamais. Ah dommage. On va pouvoir le refaire en fait. Ouais parce que du coup maintenant tu sais. Ouais. Maintenant tu sais. Note tout deux, si, il est quelle heure là? Note tout deux. On a une demi-heure pour le faire. Il est vraiment très beau en fait. Il faut que je tape la tête. Comme je sais que je peux taper la tête. Alouette. Ouais. Faut juste pas qu'il me. Ah, mais mes âmes elles sont là. C'est pas grave, j'en ai pas beaucoup. Évidemment.
Recule. Évidemment, elle a mis qu'elle recule pas. Hein. Allez, j'ai essayé. J'essaie de taper la tête. Ouais, greedy, greedy, greedy. Ouais. C'est tout, hein. Il est vénère, hein. Oui. Allez, hein. Pourquoi il me vise, moi? Ah, ça, vise un peu la mique. Ah, voilà. Bah, là, je suis censé y aller. Vite. Mais je peux pas. J'arrive pas à atteindre le. Non, mais il y a le critique normalement là. Ah. Normalement, je peux avoir un critique que j'ai raté. Ouh. Ouais. Ça, regarde ma vie. Boum, la moitié. Ah. Normalement, je suis censé faire un coup critique là, mais je suis trop bas. Je suis désolé, Darkliner, je te lis juste après. Ouh là là. Il vise trop. T'es resté dedans. Ouais, mais c'est qu'en fait, quand t'as l'animation de ton coup qui est parti, tu peux pas. Le problème, c'est que tu ne peux pas taper. Ouh. Ouais. Ouf, le bol. Oh. Je sais, j'ai voulu faire un peu la grille. Voilà. J'ai voulu, j'aurais pas dû. Et du coup, c'est une potion utilisée. J'ai pas dit qu'utiliser mes tanks, moi, que j'ai pas fait. Voilà, là, normalement, je peux faire un coup critique. Voilà! Ouais! Cool! Ah, cool. C'est pas grave. Et elle tient vraiment bien ta mimique, hein. N'est-ce pas? Donc il est sur moi, là? Ah ouais, il est plus sur toi. Tape pas, tu le touches pas. C'est normal, il était en animation. Il était en animation. Oh la vache! Allez, viens là! Violente cette attaque! Celle-là aussi, hein, mine de rien. Allez, viens! Allez, viens par ici! Ah, dommage. J'ai essayé de faire une roulade arrière, j'aurais peut-être pas dû. Ouais, ça passe un peu au-dessus. Viens. Ou là, la là, vache? Allez, vas-y. Regarde comment il arrive. Ah ouais. J'ai essayé, mais... Non. Là. On va pas faire trop de grid là-dessus. Non. Ouf. Oh là 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 là. Une potion. On l'a. Allez, une dernière potion. Vas-y! Et on l'a eu! Oh, non! Dis pas ça! C'est bon. Oh putain! Oh. Et, j'ai gagné! Trop bien! Moi, attends, parce que j'ai vu que le Darkliner, il nous a fait. Ouf! Trop ouf! Pierre de Forge! Sombre! Game Freak, ouais, victime de la licence, ils veulent rester petits. Mais tu peux rester petit et faire des très bons jeux. Hein. GGI! Ils doivent juste prendre le temps, quoi. Mais je crois qu'ils sont un peu poussés par la Pokémon Company. Et coucou Squarry! Coucou Squarry! Ça se dit comme ça? Squarry? Attends, j'ai même pas tout. J'ai tout raté là. Oh là là, on a tout raté. Oh là, pas complètement. C'est une très belle petite part. Même. Merci. Enfin, merci pour lui. Hein. Moi, je dis merci. J'ai bon sens, ce bébé me troll. J'ai ben, merci du coup, Square. Merci Astésia. Ouais, désolé. Ouais, je comprends en fait. Un Game Freak, ils veulent évidemment rester un peu petits. Excellent pour le bébé Astésia. Ça va être bien. Il va être bien. Oh, écoute, tout le monde va bien. Je fais un truc de garçon, ça. On a des... Comment on appelle ça?
Des émotions fortes là-dessus. Ah ouais, il était trop beau. Alors oui, t'étais pas très... J'ai pas été très bon dessus, mais fallait taper la tête. Non, t'as été super bon. T'étais pas juste équipé comme il fallait pour, toi, si. Comme tu disais. Mais en fait, peut-être au cheval à la tête. J'espère que tu vas bien aussi. Hein. Bah oui, tout à fait, j'allais te le dire. À la base, on devait faire un petit live Kirby. Kirby. Mais faut... Vous êtes sûr que c'est Kirby? Kirby ou Kirby, c'est un débat. C'est Kirby, je suis sûr qu'elle a raison. Mais... On a fait la démo, donc la démo a duré très peu de temps, mais c'était très cool. Et donc ensuite, on s'est décidé, on s'est dit, oh là là, trop de mignonnerie, trop de roses, allons sur Elden Ring. C'est pas forcément le bon équipement, je crois que je devais surtout toucher sa tête, son cul, que j'ai pas fait. Son cul-cul. Manoir du volcan. Mais ben, on l'a eu, on avait dit qu'on l'aurait. Et donc ouais, Game Freak, moi je crois qu'ils sont un peu poussés malheureusement par la Pokémon Company, mais qui devraient, comme beaucoup de licences, ne pas sortir un jeu tous les ans, et ils font, bah oui, ils font des bons jeux. Hein. J'aime pas ce qu'on faisait ici, moi, déjà. C'est pas du tout là que je voulais aller. Mini démo. Ouais, et la oui. démo de Kirby est vraiment, vraiment très petite. C'est ouais, là que je voulais aller. N'empêche que c'est une démo. Et pour le coup, ça sert, ouais. Ça sert de démo. Et donc, on a pu jouer, voir que c'était très cool. Et ça nous a confirmé sur notre choix d'acheter le jeu quand il va sortir. Le jeu a l'air excellent. Ouais, franchement très fun. Après, c'est ah quoi non, regarde, c'est par là. C'est Triangle Stratégique avait une démo de ouf. Il y a 5 heures de démo Triangle Stratégique. C'est génial. Elle est super bien. Alors, n'hésitez pas, parce que la démo de Triangle Stratégique, ce qui est super cool, c'est que si vous la faites et que vous prenez le jeu après, vous récupérez votre sauvegarde. J'ai testé, ça marche. Donc on reprend là où on a arrêté la démo. Ça c'est bien. Donc on ne perd rien, donc c'est vraiment une démo qui vaut la peine d'être faite, parce que bon bah au pire on n'aime pas. Et si tu t'es planté ou que t'as pas fait les choix que t'avais envie, bah du coup tu peux refaire. Ah, je m'attendais pas à faire un boss moi, je voulais aller tranquille aujourd'hui. Eh ben non. Explorer un petit peu. Oh, regarde. Un petit boss, en plus c'était j'ai pas vu bien. Ça. J'ai pas vu ça. Ah bon? Attention, j'allais dire il arrive par derrière. Mais non, t'inquiète. Comment tu grimpes? Et donc voilà, et là où je trouve que ce jeu n'est pas du tout frustrant ici Elden Ring, c'est que le boss qu'on a fait là, bah imaginons que ça n'aille pas du tout, que je fasse 10 try et que j'en ai marre que ça passe pas et ben je le fais pas. Tant pis. Tant pis. Ouais vraiment, t'es pas obligé et t'as plein de trucs qui t'aident avec les invocations. Ah oh, c'est ça, tranquille sur ce jeu, t'es sûr? Et c'est pour ça que je le trouve vraiment plus facile que ses prédécesseurs. En soi, il n'est pas plus simple, dans l'absolu, en termes de difficulté sur les boss et autres, mais on a beaucoup plus d'aide, on est beaucoup plus aidé, on est tenu par la main. J'aime bien être tenu par la main, moi. Oh. Non, je plaisante, mais... C'est pour ça que c'est vraiment, si les gens veulent se tenter un titre From Software, tu vois, ça change de couleur, maintenant. Ah, mais non, c'est une autre pierre. Elles sont là. Ah, il faut les suivre, en fait, c'est ça. Suis-les, il y a un trésor au bout. Mais, ouais... Et donc moi je conseille vraiment à tout le monde de commencer par celui-là avant les autres From Software. Ah, il y a Albert. Ah non, on l'a déjà couillé. Si on aime évidemment la DA. Par exemple, si les gens préfèrent la DA de Sekiro, allez sur Sekiro. Moi je n'aime pas du tout la DA de Sekiro, donc c'est un jeu que je n'ai pas fait. Mais j'ai pas compris le truc. Il faut les suivre. Ouais, mais suivre, elles sont où les autres? Elles passent par ailleurs peut-être, je sais pas, ou faut-il ça, par il là faut... Faut trouver le bon chemin. Moi je montre que ça commence pas par ici. Ça c'est la première. Voilà. Ouais. Ça c'est la deuxième. Hop là. Ça c'est la troisième. Et là je dois creuser. Où est-ce qu'elle est l'appel? L'autre. Attends, c'est l'autre, regarde. Et l'appel elle est où? Non, t'en as encore. Tu crois qu'il faut sauter là? Je sais pas, regarde où est l'autre pierre, s'il y a une autre pierre. Ça continue peut-être. Je sais pas moi. Ouais, moi j'aime pas les énigmes. Ah, j'aime pas les énigmes. Sérieux? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, t'avais raison, je fais attaquer par du vent, là. Les loups, machin, le vent. Mais c'était là le trésor, on va arriver ici, mais ça, on l'a déjà pris. C'est ça que ça montre, à mon avis, non? Bah, non. L'arc-en-ciel. C'est comment les couleurs de l'arc-en-ciel? T'as gagné... Oh, attends. Oh là là, mais je peux même pas lire les gens. J'ai gagné une clé pour Elden Ring en deluxe. Je l'ai donné à quelqu'un qui adore les Souls. Pas mon genre de jeu, trop glauque. Et pas le temps. Ah, je sais temps. Que cette personne va le poncer. Ah bah trop cool, t'as bien fait. Parce le ton, ça par contre, c'est vraiment le cas. Pour le coup, j'adore la DA, j'adore vraiment le style glauque comme ça. Et le gameplay aurait peut-être pu me plaire, mais c'est trop lourd.
C'est vraiment très très lourd et, ouais. Et j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Donc regarder, ça me plaît parce que je trouve ça vraiment terrible, mais jouer pas plus que ça. Oh, moi j'aime beaucoup. Donc tu veux que j'aille chercher arc-en-ciel. Ouais, les couleurs d'arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Savoir dans quel ordre on va faire ce que là, il y a la bleue. Ah, ah. Bah ouais, en fait. Oh, oh, attends. Oh. Il fallait y aller à pied. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ses pattes. Oh, l'enflure. Et tu sais où est-ce qu'il te balance? Il te balance dans l'arène du boss. Mais moi j'ai déjà eu le boss. Non? C'est pas le boss? Ah, la petite. Then stay away from the volcano manor. Mais ses pattes. Et c'est qui lui en fait? C'est une crapule dans les Souls déjà. Take care. Et tu peux soit dire que tu l'excuses ou pas. Là. Oh non, eux c'est horrible. Oh non, pas eux. Ils vont pas. Oh là, là je meurs. Ah merde, c'est ceux qui sont en mode malédiction. C'est pire qu'une malédiction, ouais. C'est ceux qui sont en mode aussi. Ah sérieusement. Ouais bah pareil à Césaire, tu vois, pareil. Voilà. Ah cool. Tiens, une grotte. Ça se trouve c'était un PNJ. Eh non, c'est pas un PNJ. Ah ouais, eux, si jamais ils me touchent comme ça, je meurs. Si. Et pourquoi, c'est quoi? C'est de l'acide? C'est pas de l'acide, ça te met la... Bah, ça te met la, l'espèce de malédiction, là. Parce que là, ils sont beaucoup. Vite! Ouais, ils sont tellement que si jamais ils me touchent tous avec leur truc, je meurs. Tout simplement. Oh, regarde comme ça monte vite. Voilà. C'est des crapules, hein, ça. C'est une crapule. Une crapule. Mais après, il faudrait que je teste les items là, parce qu'il y a un truc qui augmente l'immunité. Et donc, en fait, l'immunité, ça monte moins vite, je crois, si je l'augmente. Ah, il a plus de PV, lui. Il n'y en a plus aucun qui a des PV. Ah, regarde. Ah ouais. C'est comme celui de Pierre tout à l'heure, quoi. Comment je pensais que c'était fini alors que c'était pas. T'imagines? Ah ouais, j'avoue. T'imagines si je m'étais fait avoir. Ah ouais. Bon. Oui, je les aime pas. Du coup, je suis perdu. Moi, il y avait une grotte ici. Du coup, on s'est fait avoir par Pat. Pat qui a laissé un message et des pierres arc-en-ciel en disant « T'as un trésor au bout de la pierre. Et après, faut le retrouver, Pat, et lui dire que... C'est un connard. On pourrait... Ah merde, j'ai pas assez, il en faut deux. Merde, il en faut deux. Ah... Bah, Pat... Ah ouais, ah, c'est pour ça. Ah merde. Ah merde. Bon, je sais pour y retourner, là. Quelle heure est-il là? Ah, enfin encore un petit quart d'heure. J'ai envie de retourner là où il y avait Pat. C'était où? Oh! Comment on fait pour y aller là? Parce que j'ai la map. C'est beau, hein? Ouais, ça a l'air d'être mignon comme ça au-dessus, un peu vert et tout, verdoyant. Très bien. Est-ce que quelqu'un se rappelle? C'était ici? C'était là. Là, il y a d'office une grotte. Regarde, tu vois le chemin qui va dessus. C'est un chemin, ça? Je crois. Donc, on va retourner à l'arc-en-ciel, voir s'il y a Pat. Ah, il est beau, lui. C'était là, oh, je sais plus. Je suis complètement paumé. Mon gars, mais... Ah oui, j'avais pris le... J'ai pris l'escalator là-bas. Allez, bah, allez. Oui, mais tu rentres dedans comme mais ça, là. Je rentre dedans, je rentre dedans. Bah oui, mais il tourne, évidemment. Bah il est sur le chemin, quoi. Ah mais passe pas comme ça, essaye d'être un peu sur le côté, quand même. Mamie. Vas-y. Vite. J'ai eu quoi sur le boss? Je sais même plus. T'as eu des pierres de forge 6. Ah. Peut-être sombre. Que je peux améliorer... Sombre, sombre. Ouais. Ah, mais je peux améliorer mon... Justement l'arme avec laquelle je l'ai tué. Ta grosse épée? Ouais. Et je crois que je peux avoir une fiole en plus, en plus. En plus, en plus. Ouais. Elle est longue, cette échelle. Ouais, mais... Je suis même pas sûr que c'est là que je dois aller. Je sais pas. C'était là-bas? Ah. Ah. C'est quoi?
Bah, c'est un... une grâce. J'avais raté tout à l'heure. Ah là, tu peux rater ça parce que c'est énorme. Ah bah, quand tu regardes pas au bon endroit. Tiens, est-ce que j'ai une nouvelle fiole? Donc ça, normalement, oui, parce que j'ai ramassé des graines dorées. Donc je peux améliorer une dose. Yes. Donc là, j'arrive à 12. Ça commence à être bien. Ah oui, attends. Il me semble qu'on a looté aussi des nouveaux trucs pour le mélange. Explosion. Pour le mélange ? Permet d'ignorer toute consommation de PC. Ouh, c'est fort, ça. Bien. Ouais, améliore. Améliore l'équilibre. Très bien. Ouais, ça, je peux améliorer la résistance et soigner les altérations. Bon, ici, si j'ai eu l'altération, je suis mort, donc c'est pas grave, mais... Très bien. Pas très bien. Quoi sur les tombes, là ? Des runes. Ouais, c'est pas grand chose. Hein. C'est quoi? C'est pour prendre des runes. C'est des items que tu peux utiliser. Ah, non. Ouais, sauf que ça, tu peux les stocker. Ah. Ah oui, du coup, c'est vrai que c'est cool. Ah non, mais le. Ah non, j'allais dire le tue pas, mais il est mort déjà. C'est long. Bah, on va rechercher. Je crois que c'était là-bas. Là-bas. Oh. Connemara. Oula, sur télésauté. Lapin. C'était pas ici, là, je les avais tous tués. Ah ouais, c'est qui pleure là. Ah, c'était là-bas. Ah, d'ailleurs, je crois qu'il me laisse tranquille. Pourquoi? Ah, ou pas. Et du coup, il pleure. Ah. C'était ici. Il y avait Pat ? Et tu dois vraiment le retrouver ? Bah ouais, maintenant faut essayer de le retrouver, mais ça tombe, il est au manoir. Et pourquoi faut essayer de le retrouver ? C'est vraiment dans la quête, c'est comme ça ? Tu dois retrouver Pat et le combattre ? À chaque fois tu le retrouves, tu le combats pas. Après il fait « Ah, excusez-moi, je le referai plus, machin... » Sérieusement ? Et tu peux le pardonner ou le tuer. Si tu le tues, bah la quête s'arrête là. Si tu le pardonnes, la quête continue. Ah, c'est marrant. Faut juste retrouver où il est. Il a dit de pas aller au manoir, ça tombe, il a été vers le manoir, lui. Donc on va aller au manoir, parce que de toute façon, c'est là qu'on va. Ah. C'est ça le manoir ? Non, c'était là où on était. Quoi ça ? Ça, c'est une tour de garde. Ouh ! Non, on va se remettre après notre équipement de PG. Oh, je me fais attaquer ! Comment ça ? Bon, et comme vous voyez, j'avance pas très vite dans ce jeu, donc c'est pour ça, la 50 heures, la moitié du jeu. Ouais, mais forcément, c'est tellement vaste. Ah ouais, c'est hyper vaste, et... Puis ça dépend aussi du temps que tu prends sur les boss. Ah, pas Pat. Non, Pat, à mon avis, il est au manoir. Enfin, j'en sais rien. Je vais remettre... Je sais pas si ça change grand-chose, l'équipement. Dans les souls, ça changeait pas grand-chose. Mais, c'était ça, je mettais. Pourquoi tu remets ça? Parce que je trouve qu'il est plus classe, non? Oh, c'est crade. En vrai, je le trouve très beau, moi, comme ça. C'est ça que je mettais. Hein. Ouais. Je cherche encore un beau truc avec une cape, mais ça, c'est un peu trop. Ça fait un peu vraiment les... Ça fait corbeau, j'aime ouais, bien. Corbeau. Je me demande d'ailleurs, bah, tiens, plume noire de rapace. Je me demande s'il n'y a pas une petite influence de Game of Thrones dans ce jeu. Non. Bah, je sais pas, à mon avis, ouais. Et les mecs, ils ont bu une bière avec George Martin. Le gars, il aurait écrit un post-it. Oh. Bonjour. Arcapouli. Oh, j'ai lu Arcapoule. Arcapouli. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un Arcapouli. Ce serait marrant. Hein. Ce serait marrant, un Arcapouli. J'ai pas vu le i. Par contre, vraiment, à la fin du jeu, je vais tester de faire ça. Je prendrai le temps une fois que j'aurai terminé. Ce sera ma dernière contribution au jeu. On se fera un personnage tortue génial. Ah oui. On va essayer. Est-ce que vous aimeriez pas plus de jeux dans ce genre d'open world ? Oh bah si. Carrément.
Si, si, ça dépend après ce qu'on appelle ce genre d'open world. Qu'est-ce que j'aime bien, moi, dans l'open world d'Elden Ring, c'est que... T'allais dire Dark Souls, hein? Non, je sais pas. Oula. C'est que c'est pas vide. Ce truc, tu as quelque chose partout. Il n'y a aucun endroit où tu vas te balader pendant 10 minutes sans voir un ennemi, sans voir une cave, sans voir quelque chose. Il n'y a pas ça. Donc ça, c'est excellent. Vraiment, c'est super bien. Après, c'est vrai que, un peu comme l'était Breath of the Wild, tu n'as aucune indication. Nulle part. Tu dois fouiller, tu dois trouver par toi-même. Certains aiment bien ça. Moi, ça ne me dérange pas, mais j'avoue que même quand tu as les indications sur la map pour te dire « là, tu as quelque chose, là, tu as quelque chose », j'aime bien aussi. Parce que le problème de ce genre de jeu, d'Elden Ring, c'est que ça prend beaucoup plus de temps qu'un autre jeu où tu es guidé. Enfin, quand on voit un peu tout ce qu'il y a à fouiller, partout, toutes les grottes, tout ce qu'il y a, il faut les trouver. C'est immense. Il n'y a rien qui indique tous ces sites, tout ce genre de choses. C'est hyper chouette quand on a le temps. Et moi, je pense faire partie des gens qui ont le temps. J'arrive à mettre 50 heures dans un jeu en 2 semaines, tout le monde ne sait pas faire ça. Donc c'est déjà beaucoup. Et donc ceux qui ne savent pas jouer, par exemple ceux qui font 1 heure par jour, ce genre de jeu... Bon, au moins, ça les tient pendant... Ça peut être un peu frustrant, quoi. Pendant des mois, mais... C'est ça, tu vois, en 1 heure, c'est ce qu'on a fait ici aujourd'hui. Finalement, on a fait quoi? On a trouvé le manoir. Il a quand même fait un super boss. Oh, il s'est fait défoncer. Enfin, un super boss, j'ai fait un boss, c'est tout. Mais beau, hein. Tu vois, t'avances pas beaucoup. Et c'est vrai que tu sais pas avancer beaucoup en faisant ça, donc je peux comprendre aussi ceux qui aiment bien les open world un peu plus guidés. Ou à la Zelda. T'as pas d'indication, mets ta tablette qui réagit. Ah mais ils ont 4 bras, eux. Qu'est-ce que j'essaie de faire, là? Après, voilà, moi, je préfère des jeux comme ça que des jeux linéaires. Je me suis beaucoup plaint ces derniers temps sur les jeux qu'on faisait, où à chaque fois que je voulais quelque part, on me disait « non, pas maintenant, non, pas maintenant ». Et ici, Elden Ring, si tu veux aller dans les dernières zones dès le début, bon, t'as quand même certains passages obligés pour y aller, mais en gros, tu fais vraiment comme tu veux, et bah tant pis si tu te manges un mur. Quoi. Genre, dès le début du jeu... Ouais, c'est chiant, ça. Dès le début du jeu, je pouvais pas mettre ma carte... Donc, on démarre à peu près ici, dans la zone ici au début. Et en fait, dès le début, on peut aller ici sur la droite, qui est une zone pour laquelle moi, j'ai pas encore le niveau, que j'ai pas encore fait. T'as pas encore fait, mais t'as pas mal de points. J'ai fait le bas ici. Mais j'ai pas et fait les points le là-haut. Bah j'ai juste été... C'est un site de farm ici. C'est un premier spot de farm quand t'es bas niveau. Qui est assez facile pour prendre une dizaine de niveaux au début si jamais t'es un peu bas, donc c'est pratique. Et donc ça j'adore, c'est vraiment faites ce que vous voulez. Et t'as évidemment... Oh, c'est chiant, je peux mettre ma carte quand je suis sur une échelle. Allez, grimpe. Voilà, mais celui qui est en haut. Et t'as juste quelques petites indications. Pour la quête principale, donc en gros, les sites de grâce ici qui vous donnent une zone, enfin une orientation. Et ça vous donne plus ou moins le chemin à faire. Ah, un marchand. Ah oui, dis-moi qu'il a une clé. Eux, ils vendent parfois de... Yes ! Capuche de coupable. Ouh, capuche de confesseur. Sérieusement ? Je suis très fashion. De toute façon, les Souls, le vrai, game, j'ai oublié ça. C'est le fashion. Regarde, fashion victime. J'ai trouvé des trucs quand même assez cool. Oh, la tête ! Bah, là, c'est ma tête, c'est ma vraie tête, quoi. Ah, pardon. Oh. Oh. La peau pointue, turlututu. Pas blanc. Ça, je vais garder, moi. Bah, t'as vraiment beaucoup... Ça j'aime bien, j'avoue. Ça j'aime bien. Tête de mort. Voilà. Et là, j'ai enfin une cape. Ah, c'est classe ça. C'est pas mal ça. Ouais. Ça, c'est bien quoi. Voilà. Mais. Oui, mais il y a une robe que j'aimerais bien avoir, mais je suis pas tout de suite.
T'avais une super belle cape. Ça faisait un peu de la mort. Je vais quand même aller voir tout en haut s'il y a quelque chose. Si pas, on va. À ma vie, on s'arrêtera là-dessus. On va faire la petite grotte qui était bloquée tout à l'heure. Là où je me suis fait avoir avec les choses. Ouais, t'avais pas de clé. Ouais. Donc j'ai la clé. Ouais, elle est là, quoi. Très stylée. Ah, le mien comme ça, là, avec son. Regarde son petit boule, là, qui. En fait, il y a une tenue qu'on peut avoir qui est en plus ma musique préférée du jeu actuellement, celle des apôtres. Ah oui. Enfin, j'imagine que c'est apôtre. C'est trop belle, la musique. Godskin Apostle. Dit comme ça en anglais. Apostle. Apostle. Ouais, ça a l'air d'être ça. Et il y a une très très belle. En fait, c'est une tenue très longue, mais un peu dans ce style-là. Sauf que j'ai pas encore trouvé où est-ce qu'il était. Lui, il va me parler, lui. Non. Oh. Caméra. Ah, mais j'ai plus mes potions, moi. Pourquoi? Eh, mais... Pour ça, t'as plus tes potions. Bah, pas la potion que je voulais prendre. J'en ai d'autres, quoi. Oh là là. Ouais. Comme c'est que je fais la grid, quoi. Oh. Le boule danse comme les arbres. Oh bien. Toi, t'as tué ton copain, toi. Ah, il en fait trois. Ok. Non pas une, non pas deux, mais trois. Et il a failli mettre le mauvais œil sur moi, vous avez vu? Gantelet du chevet de Lendel. Lendel. Moi, je suis monté en haut, mais je sais pas pourquoi. Regarde ça. Hello? Bah. On donne des plumes. T'en fous? Je sais pas. J'aime pas ce que je fais ici, moi. Il y avait une échelle qui est amenée ici. Ah, ah! Il y a une épée. Qu'est-ce donc que ceci? Ah oui, c'est une épée. C'est une très grosse épée. Et plein d'autres épées. C'est quoi, c'est une carte? Je sais pas. Examinez. L'assaut sur le manoir du volcan. Sordide, pervers et profane. Abjecte guerre sans fin, dépourvue de gloire. Très bien. Voilà. Et avec ça, tu te démerdes maintenant. Avec ça, tu te démerdes. Tu dois aller où, là? Ben, j'ai eu la clé. Ah, donc oui. On va retourner là. Ah oui, tout à fait. Je crois qu'on y allait par là. Je n'ai aucune idée d'ailleurs. Bon, lui. J'aimerais bien faire la grotte. On va essayer si possible avant. Ouais, tu vois, c'était, ça me dit quelque chose, ça, ici. Ah, le mec en cristal. J'aurais dû tracer. Comme avec le petit poussé. On devrait... Ouais, elle est là-bas. Elle est en dessous? Ouais, elle est là-bas. Où tu y vas? Mais je sais plus, en plus, on y était. J'aurais dû noter le chemin. Pat nous a fait tomber. Mais si Pat nous fait tomber. Est-ce que si on tombe, tu meurs? Peut-être moyen que non. Non, il faut aller par là en bas, il y a un chemin. Il y a un chemin. Je sais plus. Et j'y étais deux fois pourtant. Mais je sais plus. Par là, à mon avis. Et là, je redescends. Et après, je peux peut-être tourner. Tout est dans le peut-être. Ouais, mais ça me dit quelque chose, ça, non? Donc là, c'est full derrière. Non? Tu vas par où, là? Oh là là. Là, il y avait un... Ouais, je crois que c'est là. Ah, à l'échelle. Ouf, je fais tomber. Oh, le petit demi-tour. Là, il faudrait le casque. Il fait avec l'échelle. Ouais. Ceux qui connaissent la vidéo en Dark Souls... comprendront. En fait, t'as un casque avec un nez. Le trempé de l'arbre. Et quand tu descends au... Clou, ouf, clou, 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 je supporte pas ses ennemis, Ah, ah non, ils sont horribles. Ils t'avalent avec leur truc, tu perds la moitié de tes PV. C'était là-bas, hein. Et... Je pense. On sait rien. Oh non! RIP. Mais RIP, voilà. Voilà. Et c'est sérieusement, je l'ai fait exprès. Comment on a fait pour aller là? À mon avis, tu dois sauter. Mais c'est pas possible. Par où on est arrivé? On est arrivé par ici.
Ah, ou par là. Mais non, j'en viens de là. Azur, le sorcier originel. Ah, je sais plus. Oh là là. Ça tombe, on ne la fera pas aujourd'hui. Attends, observe. Mais tu vois, par là, il y a un chemin. Où ça? En face. Tout en bas. Ah non, sans essai, on peut pas. C'est le pont. Faut que j'arrive par en haut. C'est le pont cassé. Ouais, c'est par là. Prends ce truc-là. Mais là, on va retourner au... Bah oui, mais après, tu sautes. On va retourner au boss, là. Ouais, je suis là. Alors, attends, c'est où tu dois aller? C'est le 2. Bah... Et en vrai, je sais plus, hein. Bah, pareil. Par le manoir, peut-être. En faisant tout le tour. Chaud, hein. Bah, surtout qu'on l'a fait, c'est un peu chiant, quoi. Mais tu l'as fait quand t'es tombé? Ouais, mais j'y avais déjà été avant, je me rappelle de ça. Mais je sais plus comment j'ai fait. Bah, c'est quand j'explorais. C'est quand j'explorais. Bon, bah, c'est pas grave, on va... Ah, c'est dommage, ça. Ah, si, lui, il l'avait déjà dit. Par où est-ce que j'aurais pu faire ça? On sait par où, là. Derrière moi. Ah! Ah! Bah, c'est moi où il y a eu un truc, là. Ah non, pas ça! Oh, non, allez, vas-y, laisse-moi tranquille! Oh là! La peste! Un truc, là. Tiens, ici, on va arriver, justement. Ah, oh, il y a un truc! Il n'y avait pas un boss, là? Bah, regarde, il est en train de. T'as vu? Fais gaffe, on ne te retourne pas. Ah non, t'inquiète. Et non, je vais être trop bas. Sérieusement? Ah non, c'est là. C'est pas là? C'était l'arbre. Ouais, ça c'est le boss qu'on a eu. Ouais. Ah là, tu peux sauter là. Merde. Ah, mais c'est le 1. C'est le repère 1. Ah merde. Retire le repère 1. Ah bah. Non, c'est ici, mais ouais, c'est en dessous. Ah, bah saute. Ah, mais peut-être, si je saute, je meurs là. Hein. Peut-être pas là, peut-être pas là. Ah, écoutez, je sais plus. Et où bah... c'est en haut. Bon. Je sais plus du tout comment j'ai fait pour aller à cette grotte, la mais caverne aux eaux. C'est juste à côté. Ouais, mais. Tourne un peu ici. Et à droite. Y'a pas un endroit où descendre. Et c'est ici qui m'a fait tomber. Hein. J'aurais dû rester en fait avec Pat. Ouais. Ah là je peux tomber. Tu crois? Oh là j'en sais plus. Je sais plus mais j'ai dû y arriver forcément. Hein. Forcément. C'était sur la pierre bleue. Ah oui bah oui mais elle est plus là maintenant. Les pierres arc-en-ciel. Elles sont plus là. Non, si. Par contre, je fais fausse route parce que ça, j'ai découvert aujourd'hui. Fausse route. Ouais. Fausse route. Tombe du héros de Gelmir. Oui, parce que quoi? Qu'est-ce que je voulais dire, moi? C'est quelque chose que j'avais déjà découvert. Quelque part par là. Ouais, j'essaie encore 5 minutes, puis après on ira améliorer nos armes, puisqu'on a des nouvelles pierres de forge, et puis on s'arrêtera là. Nous, on reviendra jeudi pour Young Souls. Demain, normalement, pas de live. Moi, ouais, je serai sur Discord bien... Elden Ring. On ira squatter Discord avec Concret. Ouais, c'était ici quelque part. Là, c'est là où il y avait les pierres. Ah bon? Ouais. Ah, je crois savoir. Saute, hein. Mais pas forcément sauter, il y a peut-être moyen de faire le tour. Mais t'as déjà fait ça? T'as déjà essayé? Toi là, on a l'arbre. Non, non, c'est là-bas. Hein. Ici, la lune nous a fait tomber, là. Bah ouais, bah tombe là où il t'a fait tomber. Par contre, je sais plus où c'était. C'était là, mais... Ah mais ça se trouve, il y a un truc bien précis. Je suis sûr que non. Pourquoi est-ce que je suis sûr que non? Alors, je vais être têtu, hein, je le sais, mais...
je l'ai découverte avant ce truc là. C'est pas grave. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais déjà trouvé comment faire pour y aller. Justement, je crois, en découvrant cette tombe. Mais j'étais venu de là en haut. Ah non, mais ça fait trois fois que tu t'es payé là. Ça, j'ai pas encore fait. La rivière. C'est peut-être ça, c'est peut-être par le bas. La rivière, la barrière. Ah là, donc vous passez 100 heures pour rien, quoi. C'est ça, en fait. Regarde, je crois que c'est là. On y était depuis le début. Sérieusement. J'avais même un point de TP dessus. Oh là là. Oh le gland. C'est une grande bête ça. Oh, c'est toi qui t'attaque. Mais t'as pas vu ça? Ah. Mais. Ah mais je crois que j'avais. Attendez, je crois qu'il y a un autre boss qu'on va pouvoir se faire. Ah bon? Ah, il y en a un que j'ai pas fait. Ah, t'as un portail là. C'est pas un portail, c'est la grotte justement. Ah. C'est la fameuse grotte. C'était tout simple en fait. Ah, ouais, c'est tout simple, on était à côté. En même temps, faut le savoir. Hein. C'est tout simple quand tu le sais. Hein. Bon. Oui. C'est vrai qu'il en faut trois. Non, c'est bon. Parce que parfois il en faut deux, parfois il en faut une. Voilà. Donc là, on a une grotte. Il faut une torche. Je sais pas s'il m'en faut, il faudrait vraiment quelque chose de... Comment on dit? Dans l'inventaire. De la place. De l'organisation du rangement. Ah. Je sais pas, un truc dans le genre en tout cas. Et ce qui est bien, c'est que j'aurai un boss. Au bout de ce truc là. On veut voir ça. Ah, le point de non-retour. La mousse des cavernes. Oh. Bonjour. Il y a des gens ici. Mais non, qu'il y a des gens. Allez, je suis. C'est une grotte habitée. C'est bien connu, ça. Des archéologues. C'est ça qu'on dit? Pas les apiculteurs, là, mais les... Non, mais les paléontologues. Paléontologues, c'est ça? Non. Spéléologues. Spéléologues, oh voilà. Paléontologues. Mais je sais pas loin, moi. Je dis de la merde. Je dis quoi, moi? Je sais plus. Archéologues. Ouais. Oh, on est bon, quand même. Spéléologues. Vas-y. Je peux tomber là? Regarde ça, easy. Ah! T'es empoisonné, mec! Je suis pas encore empoisonné. Sors de là! Est-ce que j'aurais le temps d'y aller? Empoisonnement, évidemment, il m'est tombé dessus. C'est pas grave, on va prendre. Allez, hein. On va garder avec nous. Une potion qu'on prendra quand on sera dans le mal. Ça a l'air vraiment putride ici, hein. Dégueulasse. Ah. Ah, c'est con, j'étais presque. C'est de là que je viens ou pas? Ah, mais ça dure longtemps cette merde. Ah ouais, ça dure longtemps. Oh, des rats. Allez. Je lance. Ah, il y en a... Oh, il y en avait un. Ouais. Et ma torche, vous, et je la tiens. Hein. Oh, je vais mourir. Oh, le nul. Je pensais qu'il était mort, quoi. Regardez ça. Il a un pixel, quoi. Oh là là. Ils font mal, ces trucs. Mais non, mais c'est moi qui ai. Ouais. Et en plus, encore empoisonné. Ah, ouais, mais ça va rester, ça. Ça va rester. Hein. Un arc unique, c'est bien. J'utilise pas encore. T'imagines le rat avec son arc? Ah! Il y a un monsieur dans, dans la bouillasse. Ah bon? Ouais. Ah, le bruit que ça fait en plus, c'est tout vaseux. Oh. Ah ouais, ils sont vénères. Ah, ils sont vénères, je sais pas si vont. Enfin. Ah non, j'ai cru qu'ils t'envoyaient des trucs, mais en fait, pas du tout. Si, 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 ils m'envoient des trucs, ouais. Et pas ceux-là. C'est un autre qui m'avait vu. Bon, il y a moyen de pas se faire empoisonner du tout, normalement. Ah bon? Bah, faut aller de... Voilà. Ah, cool, ouais, mais... C'est ça qu'il y a, en fait. C'est vraiment très très sombre. Ils sont derrière toi. Je sais, je sais. Derrière toi, concret.
Tout ce qu'il y a un gros quelque part. Ça va être un boss rat du coup, non? Non. Mais c'est vrai que ça s'agrandit la grotte là. Ah non, ça se montre ici maintenant. Elle était presque plus empoisonnée. Ouais, mais ça va retomber dès que je vais. Pourquoi des runes dorées? Ça me permet juste de récupérer des runes. Ah, ouais, en fait, ah oui, comme les autres trucs, ok. Oui. C'est ça, mais en fait, tu les stocks. C'est ça, l'avantage. Je suis obligé de poser la question, je suis désolé. Oh, c'est pas grave. Justement, c'est pratique parce que c'est des runes que tu ne perds pas quand tu meurs. Oh. Ah non, ça, c'est la plante horrible là, qui crache du. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi? Je sais pas. J'ai envie de courir, d'aller chercher. Le chose. Quelle chose? Le chose qu'elle cache. De vite faire le tour et puis de revenir sans s'occuper d'eux. Et tu peux faire ça? Ouais, je peux tout faire. Hein. J'ai payé pour ce jeu, moi. Tu vas mourir. Bah non. Je peux mourir. Regarde. Ah oui, c'est juste là. Ah, t'as oublié trop bien. Truc. De quoi? Ah, c'était une armure? C'est une armure. Genre complète. Ouais, bon, bah voilà. Ok. Non! Oh! Et oui. Après, j'aurais peut-être pu la tuer parce que. T'es empoisonné là. Ça remonte. Ouais, ça remonte évidemment, c'est pas grave. Oh là là. Je sais même pas d'où je viens là. Ah mec. C'est d'où qu'on était avec Lera? Je sais pas. Oh là là. Là, j'ai pas été par là. Quelle horreur ce poison! Bonjour. Ok, on est au boss. Ouais, on est au boss. Tu dois pas l'activer, la statue? Non, non, c'est là où je vais revenir si je meurs. Ah. Eh. Il est où le boss? Ah, il est en dessous. Ça, c'est bien. Si c'est ça que je pense, hein, mais je pense que c'est là qu'on revient. Quand on meurt, je suis pas sûr. Et en fait, c'est bien parce qu'on doit même pas se retaper toutes les grottes. Ce qui était le cas dans les. Ouais, ça c'est vrai. C'est là que je peux tomber? Là, là, ouais, vas-y. Non t'es sûr? Attends, je suis pas sûr. Non, c'est là-bas, pardon. C'est là? Ouais, c'est là. Off. C'est petit, hein. Et comme on dit, hein, tout ce qui est petit est petit. Oh! Genre, ça me fait penser à la tombe du héros, justement. Où tu te caches là parce que. Il y a un loot. Le loot, c'est la vie. Bah oui. Bah il est là. Oh là là, oh là là. Bah c'est bon. Bah c'est bon là. Faut pas, c'est pas très haut. Voilà. Il y a du loot là-bas. Il y a des rats aussi. Oh, il y a un rat. Bon. Allez, je commence mi-potion, moi, mon. Ouais. Mon boss. C'est là qu'on va tomber sur un. Un méga gros. Ah ouais, il est là. C'est parti. Ah, ils sont deux. Waouh. Oh ouais, voilà. Ouais, c'était facile. Ah, mais ils ont zéro vie. Ma ça va être très facile. Pourquoi est-ce que je suis mort aussi? En fait, quand tu utilises la mimique, tu perds la moitié de ta vie. Ah oui, c'est vrai. Donc en fait, j'ai perdu la moitié de ma vie. L'autre m'a attaqué. Et j'ai perdu tout ce qui me restait. Et malheureusement, j'ai pas réussi à esquiver l'attaque. Mais c'était facile parce qu'ils ont pas beaucoup de vie. Ouais, bref. Ah, et du coup, il revient. Ah, il revient, évidemment. Hein. Ouais. Oh. Ah, j'aurais dû être full vie, là. Là, j'ai fait n'importe quoi. T'as toutes tes potions, en plus. Ouais, là, j'ai toutes mes potions. Je vois rien. Allumez le feu. S'il vous plaît. Ah bien, je récupère mes runes ici. Bien. Trop tard. Oh, mec. Donc, en fait, je dois appeler ma mimique après la première attaque. Ah ouais, clairement. Je dois d'abord attendre qu'il me fasse son attaque avant d'y aller. Rip. Ouais, mais le jeu est facile. Machin.
Bien, le gars, il tient même pas. Ah, j'avoue, là. J'ai vu les flèches arriver, j'ai fait. Oh, à mon avis, ça pue. Ça pue. Ah, ouais, donc, bah, je sais. Attention au rat. Après, on peut aussi. Je sais pas si l'équipement change, mais. On peut se mettre un peu. J'aime bien cette armure. Ouais, elle me donne un peu de régène. Très bonne soirée à toi, Astésia, de toute façon. Bisous, Astésia. Nous, on est sur la fin aussi, hein. On fait ce. Oh là. J'ai perdu toutes mes runes. J'ai pas été les récupérer, j'ai perdu mes 30 000 runes. Voilà, c'est fait. C'est fait. J'ai glissé, chef. Oh purée, c'était beau le. Oh la honte, quoi. Oh là là. C'était génial. Oh là là. Oh la vache. Mais pourquoi est-ce qu'il a glissé? Bah, je sais pas, mais c'était très beau. Et du coup, je récupère combien? Zéro. Bah, zéro, évidemment. Oh là là. Oh là là. 30 000 de perdu. Là-bas. Ouais, c'est pas grave, hein, 30 000, c'est... Pourquoi tu sautes en plus? C'est très facile à farm, les runes, donc... 30 000, c'est genre... C'est quoi 30 000, hein? 30 000, franchement, c'est quoi? C'est vraiment, c'est une minute. C'est un quart d'heure. Alors, d'accord. Non, ça prend une minute à... dans les lieux de farm, donc... Bon, alors, attention. Esquive les deux premières, là. Reste pas dans l'eau. Ah, il aurait dû esquiver plus que deux premières là. Attention. Voilà, c'est bon, c'est fait. Et c'est parti. Pour de vrai. Ouais, là tu vois l'autre. La Mimic, elle va tuer le. Le boss là-bas. Il est déjà mort. La Mimic est plus rapide que moi, quoi. J'avoue. Sérieusement, ah, la honte. Ah non, c'est la honte. La honte, quoi. Ah, pas sûr, attends, pas sûr. Tu peux encore te rattraper? Je suis son premier. Non, je crois qu'il l'a eu. Je crois qu'il l'a eu avant moi. Oh. Le bot a été plus rapide que moi, quoi. C'est pas mal. Franchement, c'est cool. Oh là là. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Tout ça pour perdre... Allez, 10 000. J'en ai perdu 30 000, quoi. Ouais. Par contre... C'est moi ou on a eu, genre, la meilleure armure du jeu? Ah bon? La meilleure armure, dans quel sens? Esthétique? Oh, elle est trop belle! C'est trop bien! J'ai plein de choses. Elle va trop bien en plus avec oh, mon. Oh mon dieu, elle est géniale! Elle va trop bien avec le jellyfish là. À poil, mais habillée avec des champignons. À poil. Attends, en champignons. Et la tête, c'est quoi? C'est génial! Ah, c'est parfait! C'est parfait! C'est parfait! C'est vraiment parfait! Et elle est. Enfin. Elle donne quoi? Elle donne quelque chose en résistance ou je suis genre... Ça a l'air quand même d'être tout pourri, hein. Bah... C'est des champignons, quoi. C'est spécial, hein. Spécial. C'est voilà. Clairement très spécial. Ah, le petit caleçon, le petit tanga. Elle va super bien avec le bouclier de... Ah ouais, c'est parfait. Et elle te donne quoi, alors, comme résistance? Ouais, rien. Rien? Rien, j'ai pas l'impression qu'elle est de... De pouvoir spécial. À part être jolie. Oh! Je sais même pas si elle est vraiment jolie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu ça où? C'est joli aussi ça. Bah, je sais pas, on voit rien que les champis. Oh, mais les champis, c'est cool les champis. Mais j'aime bien les champis avec ça. Ouais. Vraiment, l'homme champi. Tu feras gaffe, c'est des champignons. Et en vrai, c'est oh, drôle. Un hein. Tout petit peu. Franchement, c'est drôle. C'est très drôle. Alors moi, je préfère quand même, hein, j'avoue, je préfère quand même parce que j'aime bien ce style. Le style guenille. Oh. Ouais, ça par contre, je peux laisser les champignons sur mes mains et sur mes jambes. C'est crade. Moi, je préférais la totale, mais écoute, fais comme tu veux, c'est ton jeu. Non, non, moi, je sais que je préfère... Moi, j'aime bien quand il ressemble à ça. Mais j'avoue que cette armure est excellente. Elle est très très chouette. Je valide. Ouais, là vraiment, ça valait la peine. Bon, on retourne au début. Je vais vite fait à la table ronde pour améliorer son affaire. On s'arrêtera, on a quand même 3 heures de live. Ouais, hein. C'est très bien. On a fait, allez, on aura fait 2 petites heures d'Elden Ring comme ça. Il y aura un peu d'Elden Ring sur la chaîne. Bah oui, c'est pas plus mal.
Et on revient sur des jeux coop des jeudis. Young Souls, un jeu français. Ouais, on avait fait la démo. La démo il y a longtemps maintenant. Ça avait l'air pas mal et là t'as la sortie officielle donc. Je vais juste voir si je peux améliorer. Greetings. La mimique c'est très fort. Greetings. Je peux pas améliorer, il me faut encore des choses. Mais là je peux améliorer mes armes, je crois. Vous croyez mort. Yes, trop bien. Je peux l'améliorer en numéro 17. Donc on augmente un peu le saignement. 100 enseignements quoi. Chaque coup me donne 100 enseignements. Très bien. Presque 99. Oh. Bon. Oh, je peux améliorer mon bouclier. Ça, je crois que ça sert à rien, mais juste pour le fait d'avoir un bouclier de la méduse qui augmente. Pourquoi ça sert à rien? Parce que j'augmente les dégâts, mais je fais pas de dégâts au bouclier. Par contre, ça, je l'augmente aussi, parce que j'aime bien aussi mon arme de ligne. J'utilise de temps en temps. Elle était belle, l'épée, là, celle que t'avais lootée, là, celle-là. Celle-là, elle était très jolie. Et en plus, c'est bien parce qu'elle accumule du saignement. Donc, je pourrais la mettre avec mes stats, en fait. Je me rappelle plus à quoi elle ressemble, elle mais... Elle est très belle, elle avait une belle attaque, en plus. Elle est au-dessus. Elle était au-dessus. Ouais, faut que je fasse du tri. Du tri, voilà ça que je cherchais. Magnifique, je trouve. Elle est pas mal, hein. Ouais. Tout ensanglanté. Elle a un saignement... Pardon, correct. 62, c'est vraiment correct. Tiens, j'ai envie de voir un truc. Je peux quand même la renforcer, donc on va voir. Est-ce que ça augmente le saignement? Quoi, ça où? Ouais, ça augmente le saignement quand elle s'augmente, mais pas de beaucoup. 64, c'est pas énorme, 64. Pour l'instant. Ouais, mais c'est parce que c'est une épée à deux mains quand même, donc... C'est pour ça que je préfère ma... Voilà. T'as quand même des armes un peu... Horrible, ça. C'est Outward. Je me demande si on n'avait pas déjà parlé de ça. Outward, ça me dit quelque chose. Bah écoute, on va aller regarder. Merci. Ah ouais, merci, carrément. Du conseil. Ça me dit quelque chose de nom. Oui, pareil. Mais Outward. Tant que j'y suis, je note directement. Qu'est-ce que c'est que ça? On avait déjà regardé, c'est pas un jeu style survie. Oh. Je me demande si c'est pas... Je me trompe peut-être complètement, mais... On va aller regarder ça, tiens. Ouais. On va regarder des vidéos, là. Nous, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour le conseil. On va vite faire regarder quelques vidéos. Ici, juste avant d'aller se coucher. Et si donc, jamais voilà. Tu ne connais pas, alors ça se trouve, tu connais, tu as déjà joué. Hein. Mais en couple aussi, à faire... On l'a fait il n'y a pas longtemps, il était sur le Game Pass, c'est Nobody Saves the World. Hyper drôle à faire à deux. Vraiment très très cool. Moi j'ai adoré, perso. Ouais, moi aussi j'ai adoré. C'était un super jeu. Très très fun. Donc Nobody Saves the World. Franchement, à fond. Bah de base, hein, de toute façon sur cette chaîne, si jamais. Mais avec plaisir, de toute façon. Alors c'est quoi, plaisir. C'est Squarey. Moi j'en dis Square. Square. Bon, peut-être. Square. Si jamais en fait nous ici on merci fait, ça fait plaisir. Allez, 3-4 lives par semaine, j'ai essaye et on fait que des jeux coop. On essaye de faire que des jeux coop, ouais. Bon celui-là c'est un jeu coop en soi, bon même si là j'ai pas joué. Ouais, on a failli faire du Elden Ring aussi en coop, mais bon, mais ouais, n'a pas accroché. Je suis pas tant hypé que ça, je le trouve génial à regarder, mais à jouer, à mon avis je m'en sortirai pas, je vais rager, je suis pas très patiente. Et comme j'ai pas joué aux autres opus, c'est pas un style de jeu que je connais, c'est très lourd et du coup ça m'a pas donné envie. Et on fait que ça, là prochainement donc on aura Young Souls, Kirby, Lego Star Wars qui va arriver, Salt and Sacrifice aussi. Beaucoup beaucoup de jeux coop qui arrivent cette année-ci qu'on va faire. Elle est très difficile. Ah, dans ce cas-là, il y a quoi d'autre qu'on pourrait conseiller? Ça dépend ce qu'elle aime en fait, parce qu'on a plein de jeux à conseiller. Ouais. Rien que Grounded qu'on a fait là pendant plus d'un mois, excellent. Excellent. Grounded, c'était bien. Et pourtant, je suis arachnophobe, hein, je précise. Hein, et moi, j'aime pas les jeux de survie. Voilà, donc c'est, pourtant... ils partaient pas gagnants. Et on a kiffé. Enfin, bon, voilà, donc comme ça, on aura fait un peu d'Elden Ring. Voilà, un peu de tout. Pourquoi pas. Et donc, on ne fera pas de live demain?
comme Mewen revient un peu tard, moi je serai sur Discord, par contre toujours pour continuer la session ici. Et donc jeudi, plus tard, vers 21h, 21h30, ouais. Vers 21h, 21h30, on commence l'aventure de Young Souls. Ah, oh, je vais essayer 21h. On ne sera pas là ce week-end non plus, donc c'est vrai qu'on va... Ah oui. On aura peu de live cette semaine, mais après on revient. Et donc ce sera du Young Souls maintenant pendant... je crois qu'il y a une vingtaine d'heures quand même de jeu. Ok. On essaiera de les faire avant la sortie de Kirby. Ça me fait 20 heures en deux semaines. Il y a moyen. On va devoir jouer. Ouais, il y a moyen. On va devoir. Ah, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir faire des heures dessus. Mais au pire, on peut un peu farmer. Ouais, on verra. En dehors, on verra. On verra ce que ça donne. Hein. On ne sait pas trop comment va être le jeu. Même qu'on avait, même si on avait fait la démo. Voilà, on verra. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à tous. Et une très bonne journée demain. Tout à fait, merci à tous. Et on vous dit à après-demain pour... Young Souls. Bah pour Young Souls. Du coup. Je savais déjà plus, quoi. Allez, très bonne soirée et à très bientôt.